Je voulais vous informer que l'interprétation existe en français et en anglais. Donc, si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours écrire dans le chat. Et donc, l'équipe de l'IDEP va vous répondre. Dear participants, welcome to IDEP Development Seminar. We are waiting for a few minutes before we start, as the seminar is both online and in situ. And we have invitees that are joining us. We'll start soon. But before, I would like to inform you all that there is an interpretation, both English and French. If you have any question or concern, please write in the chat and we'll be happy to assist you. Thank you.
et construire des systèmes éducatifs résilients où un accès accru à un apprentissage inclusif, qualitatif, durable et pertinent pour l'Afrique. Voilà, donc bienvenue. Moi, je suis Bakary Dosso, je suis le chef de la formation et de la recherche à l'IDEP. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue aux ambassadeurs, Excellences. Merci d'être venus. Comme d'habitude, vous avez honoré de votre présence de séminaire important pour la CEA et l'IDEP. Je voudrais également remercier les panélistes qui nous ont rejoints. Donc, je cite le professeur Mouna Laroussi, qui est la directrice de l'Institut pour l'éducation et la formation de la francophonie, et le professeur Moussa Lo, qui est le recteur de l'université Cheikh Hamidou Kane, avec qui l'IDEP a collaboré par le passé, et nous sommes même en discussion pour un appui qu'on devrait apporter à un pays tiers. Je voudrais saluer également en ligne Madame Suita Saxena, qui est la directrice du département genre, pauvreté et politique sociale de la CEA, basée à Addis Abeba, en Éthiopie, et également un professeur Dafer Saïdan, qui est professeur en développement en financement durable, FinTech, et également Sanabe Abdallah, qui est professeur à Skema Business School en France. Donc, nous avons réuni, comme vous l'avez vu, un panel d'experts de haut niveau pour vous discuter d'un thème très, très important pour le continent. Donc, on aura trois phases par rapport à, disons, quatre phases par rapport à cet atelier du jour. D'abord, nous allons écouter l'ouverture officielle par la directrice de l'IDEP, Madame Karima Bounemra Ben Sultan, qui est la directrice de l'IDEP, qui va faire son allocution d'ouverture. Et ensuite, nous allons avoir les communications du professeur Mouna et du professeur Moussa Lo. Et ensuite, nous allons avoir les interventions de la directrice de la division genre, pauvreté et politique sociale de la CEA et également des professeurs de l'université Skema en France. Et à la suite de cela, donc nous allons faire une ouverture et les séances de discussion. Donc, sur ce, je voudrais inviter Madame la directrice de l'IDEP, Madame Karima Bounemra Ben Soutan, donc pour son mot d'ouverture. Madame Karima. Merci, maître de cérémonie. Merci, Bakari. Excellences, mesdames et messieurs, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce séminaire mensuel qu'organise l'IDEP dans le cadre de ses activités de recherche et think tank. Séminaires au cours desquels nous donnons l'opportunité à un certain nombre d'acteurs du développement du continent. Nous leur donnons l'opportunité de se réunir et de discuter de points saillants qui sont à même d'orienter nos choix de politique et de planification. Je suis ravie que nous puissions encore une fois tenir cette rencontre en partie en présentiel, et je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement vers nos locaux. Et je voudrais également saluer la présence virtuelle, et puisque nous allons parler de technologie de l'information, il était important que nous en fassions un bon usage
Je voudrais saluer la présence virtuelle de nos participants et de deux de nos panélistes. Alors, Excellences, Mesdames et Messieurs, pourquoi sommes-nous aujourd'hui? D'abord, comme le maître de cérémonie l'a dit, c'est une tradition annuelle. C'est une tradition annuelle pour nous d'engager un dialogue avec le corps diplomatique africain basé à Dakar sur la thématique annuelle choisie par nos chefs d'État et de gouvernement comme le thème moteur de l'année en cours. Et nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises d'inviter le corps diplomatique et de discuter avec lui de ces questions-là. Cette année, nos chefs d'État et de gouvernement ont choisi, ont décidé plutôt que choisi, que l'année 2004 serait l'année de l'éducation, avec pour thème, je le rappelle, éduquer et former l'Afrique pour le 21e siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif tout au long de la vie de qualité et pertinent en Afrique. Et chaque mot de cet intitulé a son poids et porte en lui tout un programme et nous allons déchiffrer ce qui se cache derrière chacun de ces mots au cours de ce séminaire et de ce dialogue. Alors, pourquoi nous-mêmes avons-nous choisi pour cette rencontre, dans le vaste, je dirais, panorama de sujets qui concernent l'éducation, pourquoi avons-nous choisi de porter notre attention sur la meilleure façon de tirer parti des technologies numériques pour une éducation inclusive, continue et adéquate sur le continent? Alors, je vais commencer d'abord par, je dis que chaque mot avait son poids, je vais commencer par le premier mot, hein, qui est le point central, qui est celui de l'éducation. Aujourd'hui, le plus grand défi qui se pose à nous, c'est d'accélérer le rythme de notre développement et de nous assurer que les progrès qui sont faits et les acquis enregistrés soient durables, s'inscrivent dans la durabilité. Et cela, dans le cadre de l'agenda 2030, des objectifs de développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons, pour laquelle nous sommes dans la deuxième décennie de mise en œuvre des aspirations de ce cadre 2063. Alors, il y a quelques semaines, nous étions dans cette même salle pour discuter d'un sujet qui nous semble le point de départ de toute cette discussion. Et ce sujet était les impératifs de la transformation structurelle des économies en Afrique. En effet, depuis maintenant à peu près 6 décennies, hein, une moyenne de 6 décennies, les pays de notre continent vise à créer l'environnement nécessaire pour une diversification économique effective, pour la création d'emplois qui va avec, pour une croissance durable, qui sont un peu les ingrédients de ce qu'on peut appeler l'indépendance de nos pays, l'indépendance n'étant pas seulement le fait de se détacher des empires coloniaux. Alors, le monde a beaucoup évolué depuis, notre continent a évolué, et avec cette évolution, sont venues des solutions, des opportunités, mais également un certain nombre de défis. Et ces défis ont fait que nos pays n'ont pas forcément évolué et progressé au rythme que nos plans de développement auraient anticipé. Et donc, nous sommes aujourd'hui, malgré tout, face à des problématiques qui freinent un peu
le rythme de nos progrès. Par exemple, une dette qui s'accroît, par exemple, un malaise social qui est exacerbé par un certain nombre de problèmes de stabilité, de pauvreté, qui mènent à de la migration, qui mènent parfois à des conflits au sein d'un pays et régionaux. Et donc, il est important qu'on puisse trouver les leviers qui vont nous permettre d'accélérer cette transformation numérique et qui permettrait d'avancer beaucoup plus vite, non pas seulement en termes de croissance, mais surtout en termes de bien-être pour nos populations. Alors, j'étais à une conférence il y a quelques années où on demandait aux keynote speakers d'indiquer quelles étaient ces trois priorités pour le continent. Et ces trois priorités étaient claires. L'éducation. Et je pense que c'est central si nous voulons que nos pays évoluent vers nos objectifs de développement, vers nos agendas de développement, si nous voulons, comme beaucoup de pays qui sont dans la prospective, atteindre, rejoindre le groupe, quitter le groupe des pays les moins avancés pour rejoindre les pays à revenus intermédiaires, il est important que nous le fassions avec des populations éduquées. Si l'on regarde le rapport économique de l'Afrique 2023, il révèle que cette transformation structurelle reste encore à construire, à réaliser, et que la résilience de nos économies, en fait, fait encore face à de nombreuses crises, et nous devons nous permettre par nos systèmes d'éducation et de formation. Vous avez vu que dans la thématique, il n'y a pas qu'éducation, il y a aussi formation, puisqu'on parle de l'éducation formelle, mais également de la formation tout au long de la vie, pour que nos populations soient capables de faire face à ces crises de manière avertie, les crises financières, l'impact de la pandémie, les perturbations dans les chaînes de logistique comme un résultat d'un certain nombre de conflits dans le monde, les fluctuations des prix des matières premières, les problèmes, l'impact du changement climatique, la migration illégale, juste pour nommer un certain nombre des défis auxquels nous faisons face. Alors maintenant, si nous zoomons sur la partie essentiellement éducation, et si on se réfère à l'acteur principal, je dirais, dans le secteur dans le domaine des Nations Unies, dans le secteur de l'éducation, qui est notre institution sœur, l'UNESCO, le rapport sur l'évaluation de l'éducation dans le monde 2023 indique que il reste aujourd'hui beaucoup, beaucoup de jeunes qui quittent l'école, qui quittent les systèmes formels d'éducation et qui posent problème lorsqu'il s'agit de leur insertion dans le domaine actif. Et en ce qui nous concerne, et surtout certaines régions de notre continent, ce nombre de laissés pour compte en termes d'éducation a même cru au cours des dernières années. Et donc, malgré les efforts et les investissements qui sont faits dans l'éducation, on reste encore avec des taux d'analphabétisation, des taux de non-convergence entre les compétences et les besoins du marché du travail, puisque même lorsque l'on forme, on ne forme pas forcément pour un marché de travail actif et vibrant. Et donc, il reste encore beaucoup, beaucoup d'efforts à faire et éviter que des millions, et nous en sommes aujourd'hui à 140 millions d'enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. Et ça, c'est un problème réellement fondamental. We have interpretation, if you need. Vous parlez français, c'est bon? Ah, OK, pardon. Je voyais la plaque. Voilà. Alors, donc, nous nous accordons tous à dire que l'éducation est une priorité, et c'est une priorité de par son pouvoir transformateur.
Alors, la question que nous voulons nous poser aujourd'hui, ça n'est pas de revoir tous les aspects de l'éducation, mais regarder quelle éducation pour le 21e siècle. Évidemment, il y a des indicateurs de performance en termes numériques. Et le nombre est important si l'on ne veut laisser personne pour compte. Il faut également améliorer, et je viens d'en parler, les taux de rétention. S'assurer que ceux qui entrent dans le système éducatif aillent jusqu'au bout de la formation et ne s'arrêtent pas en cours de route. Mais aujourd'hui, les questions principales qu'on voudrait discuter avec vous, c'est de savoir si on peut se permettre de rester dans les mêmes schémas d'apprentissage. Est-ce qu'on peut rester avec des schémas d'apprentissage dont la conception ne tient pas forcément compte des spécificités diverses des apprenants? Aujourd'hui, nous avons des curricula qui sont un peu des boîtes noires, des boîtes à outils qui sont offertes à tous les apprenants, indépendamment de leur profil, indépendamment par exemple de la région géographique à laquelle ils appartiennent, indépendamment de leur dimension culturelle, de leur histoire, etc., etc. Et il est important qu'on puisse avoir des systèmes d'apprentissage qui tiennent compte de cela. Et la question qui est posée, c'est est-ce que les contenus qu'on développe ou qui doivent être développés dans le cadre des curricula, est-ce qu'ils sont adaptés et est-ce qu'ils permettent, en bout de compte, d'apporter les réponses aux défis de développement de nos pays? Est-ce que nous préparons des personnes aptes à réfléchir et à apporter des réponses aux questions que se posent nos décideurs, ou est-ce que nous avons encore des enfants, des jeunes et puis après des adultes qui ne sont juste capables de reproduire des informations qu'on leur a inculquées? Donc tout ça fait partie de la discussion. Comment donc faire en sorte que l'éducation s'améliore en quantité et en qualité? Et deviennent le moteur de notre développement en formant ces principaux acteurs du plus bas, je dirais, de la chaîne des travailleurs au niveau les plus élevés. Alors, évidemment, il existe beaucoup de leviers. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur ce qui nous semble un levier accélérateur important, que sont les technologies numériques. En fait, il a été confirmé que les technologies numériques ont un pouvoir transformateur important et qu'ils peuvent réellement accélérer les processus de développement. Et cela a été réellement discuté dès 2015, hein, lorsque l'on faisait le bilan des objectifs du millénaire du développement, ou lorsqu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas se permettre de continuer à parler de développement sans intégrer une composante éducation très importante. Donc, lors de la rencontre du sommet de Qingdao, la déclaration de Qingdao a encouragé les pays à faire le meilleur usage des technologies et des opportunités numériques pour transformer l'éducation de leur pays. Et c'était réellement un tournant historique pour justement l'intégration de ces technologies de l'information. Alors, il y a beaucoup d'avantages et nos panélistes sont là pour en discuter. Ça n'est pas à moi d'en faire le bilan, mais juste pour quelques têtes d'affiche, si je peux dire, parmi ces avantages, c'est une éducation pour tous, que personne ne soit laissé pour compte, arriver à travers les technologies de l'information à toucher un maximum. Et nous-mêmes, nous l'avons vu et expérimenté à l'IDEP. Nous étions dans des cours en présentiel avec une moyenne de formés de 500 personnes par an. Dès que nous avons lancé notre programme de e-learning, et là, nous avons bénéficié de deux, je dirais, tendances. D'abord, le fait que nous lancions ce programme, mais également, et j'ai la... Je dis souvent
à quelque chose malheureux et bon. La pandémie a fait que l'intérêt pour les technologies numériques a explosé. Et donc, nous sommes passés d'une moyenne de 500 formés par an à une moyenne de 3000 formés par an. Et là, je pense que c'est un chiffre et une croissance importante à retenir pour justement arriver à intégrer et à convaincre les décideurs qu'il faut investir dans les technologies de l'information. Deuxièmement, avec les technologies de l'information, on peut arriver à construire des apprentissages personnalisés. Alors, est-ce qu'on pourra aller au niveau de l'individu ou est-ce qu'on peut d'abord progresser par des groupes d'individus à profil commun? Les experts nous le diront. Une acquisition de savoir amélioré également. Je dirais que l'abondance de l'information et des connaissances permet d'arriver à acquérir davantage de savoir. Une approche également qui est davantage centrée sur les besoins et les caractéristiques de l'apprenant. Les élèves dans une salle sont des individus anonymes, je dirais. Avec les technologies de l'information, on peut arriver à customiser et à faire en sorte que l'apprenant puisse interagir avec son formateur et arriver à ce qu'il tire le meilleur parti. Une meilleure gestion du temps également, puisqu'on peut faire du synchrone, mais on peut faire aussi beaucoup d'asynchrone. Et avec de l'asynchrone, on peut aller au rythme de l'apprenant et faire en sorte qu'il utilise son temps. Et là, je ne parle pas des systèmes formels seulement, mais je parle également de l'apprentissage tout au long de la vie. Et c'est ce que nous faisons à l'IDEP lorsque nous offrons nos formations en ligne, en offrant des formations qui sont désynchronisées du temps, je dirais, de travail de l'apprenant. Et évidemment, avec une meilleure utilisation des technologies de l'information, on aura des populations beaucoup mieux intégrés dans l'ère du numérique et pourront arriver à réussir la transformation numérique de leur pays lorsqu'il s'agira de faire du commerce électronique, lorsqu'il s'agira de travailler sur la protection de la propriété intellectuelle, lorsqu'il s'agira d'utiliser les technologies de l'information, et nous aurons un exemple tout à l'heure dans le cadre de la finance, dans le cadre de l'agriculture, etc., etc. Alors la question qui se pose et que nous nous posons, c'est est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui? C'est bien beau de reconnaître les bienfaits des technologies de l'information, mais est-ce que notre continent, dans sa globalité, puisque les technologies de l'information peuvent aller au-delà, vont nous permettre d'aller au-delà de nos frontières, est-ce que nous sommes prêts à cela et est-ce que nos pays, pris individuellement, sont prêts? Évidemment, la question la réponse est que tout dépend des pays et que tout le monde n'est pas forcément au même niveau d'intégration dans ce domaine-là. Donc, il nous reste un certain nombre de défis à relever, indépendamment de l'accès, hein, qui est le point, je dirais, de départ. C'est est-ce que nos formateurs sont prêts à se transformer d'éducateurs formels traditionnels à des formateurs qui utilisent les technologies de l'information pour préparer leurs cours, pour tirer le meilleur parti de ces technologies, pour communiquer avec les étudiants, pour encourager des activités de groupe entre les apprenants, etc., etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont cette capacité pour justement avoir des classes virtuelles? De la même façon, est-ce que nos décideurs sont prêts à investir davantage, à lever les taxes, par exemple, ou à alléger les taxes sur l'importation des produits liés aux technologies de l'information? Est-ce qu'ils sont prêts à financer la recherche et le développement dans ce domaine et faire en sorte que nos cours et nos universités puissent réellement s'épanouir dans le domaine des technologies de l'information. Beaucoup reste à démontrer là-dessus. Et nous avons vu avec justement la pandémie et le fait qu'il faille passer très rapidement à des cours virtuels
que dans beaucoup de régions du continent, il y a eu blocage. Également, est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à ne pas envisager des solutions à court terme et avoir des réponses juste pour leur court terme, souvent à des fins électorales, hein, pour nos décideurs, et à investir pour le plus long terme? Et par exemple, est-ce qu'on est aujourd'hui capable d'investir dans des systèmes de formation numérique pour les emplois de demain? Et connaissons-nous les emplois de demain sur la base des réalités de nos pays? Par exemple, on dit que trop de nos pays aujourd'hui ne transforment pas les matières premières qui font leur richesse. Quel profil devons-nous avoir pour permettre cette transformation des richesses minérales, par exemple, à tous les points de vue? De la même façon, est-ce que tout le monde parle aujourd'hui, et j'espère que ce n'est pas seulement un effet de mode, de l'importance de l'intelligence artificielle? Quelle relation avons-nous et devons-nous avoir avec cette intelligence artificielle dans le cadre de la transformation numérique de nos systèmes éducatifs? Alors, en ce qui me concerne, je suis optimiste. Pourquoi je suis optimiste? Parce que même quand on dresse un tableau de toutes les défaillances et de toutes les faiblesses de notre continent, nous avons un continent qui est jeune et nous avons une jeunesse qui n'a pas de limite à sa créativité. Nous avons vu qu'en dépit de l'anxiété, des difficultés qui régissaient la période de la pandémie, nos jeunes se sont appropriés les technologies de l'information pour apporter des solutions à leur pays. Utilisation d'imprimantes 3D, création de cours très vite, de cours et de plateformes de cours en ligne, création de plateformes de partage d'expériences pour capitaliser sur ce qui se fait de part et d'autre dans le continent, mais ailleurs, dans d'autres pays, utilisation des drones, etc., etc. Et les jeunes, dans les universités et dans des petites start-up, ont montré qu'ils étaient capables d'aller au-delà des limites qu'on pouvait penser pour eux. Et là, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Alors, je vais arrêter là parce que ce n'est pas à moi de faire les présentations, mais je voulais réellement partager avec vous mon sentiment que c'est une occasion, c'est une opportunité à saisir et c'est réellement un sujet dans lequel nos pays doivent investir individuellement et de manière concertée dans le cadre d'une Afrique intégrée. Alors, cette table ronde a pour objectif justement de répondre à un certain nombre de questions et vous avez vu dans la note qui vous a été partagée comment tirer le meilleur parti des technologies de l'information, quels sont les défis pour que on puisse arriver à atteindre les ODD et en particulier l'ODD 4 qui concerne la qualité de l'éducation, l'ODD 10 qui s'agit qui concerne la réduction des inégalités, puisque en fait, ce qu'on vise, ce n'est pas de l'éducation pour de l'éducation, c'est de l'éducation au service du développement et de l'accélération du développement de nos pays, et également les aspirations 1 et 6 de l'agenda 2063. Donc, comment faire en sorte que les investissements aillent plus loin? Comment faire en sorte que nos jeunes se retrouvent considérés comme des acteurs à part entière de nos pays dans la production, dans la prise de décision, dans la gouvernance à travers des systèmes éducatifs adéquats, etc., etc. Vous avez vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions dans la note conceptuelle qui vous a été partagée. Mais avant de clore ce long mot introductif et vous remercier, chers représentants du corps diplomatique, pour votre présence
parmi nous ici et en ligne. Je voudrais remercier les intervenants qui nous ont rejoints parce que je pense que leur expérience et leur expertise est quelque chose dont nous allons bénéficier pour enrichir notre dialogue et notre séminaire d'aujourd'hui. Professeur Mounel Aroussi, qui est la directrice, comme on vous l'a dit, de l'Institut de l'IFEF. Professeur Moussa Lo, recteur de l'université virtuelle, Cheikh Amadou Kane. Et également nos deux intervenants en ligne, notre collègue Shweta Saxena de la Commission économique des Nations pour l'Afrique et professeur Dafer Saïden de Schema Business School. Merci à vous quatre d'être parmi nous aujourd'hui. Et pour une fois, je suis heureuse de pouvoir présenter un panel qui est équilibré en genre. Ça n'est pas souvent que nous avons l'opportunité de le faire. Donc, nous avons parmi nos éminents panélistes deux dames et deux messieurs, et j'en suis ravie. Et aussi bien au niveau des premières interventions que des allocutions de réaction à ces interventions, l'équilibre a été respecté. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation. And over to you, MC. Thank you very much, Director Karima, for your for setting the context. I know you are. We talk about education and digital. You are very strong in your statements. So we hear that education is key. It is key for human capacity development, which is really needed in addition to capital, physical capital is needed for the transformation of the continent. We also hear that the role of technology is also key to accelerate the access of the population to education and is very important for the resilience of the education system. You give the example of the COVID, where most physical education, in-situ education was closed. You raise a lot of questions, and I will ask our panelists to reflect on them. Which curricula are needed for education in the 21st century? What are the challenges and opportunity of digital? And also how a call for member states to for the financing, investment and financing of education system and the policy implication in terms of infrastructure. And I think this was a very good question. We hope that in the respective intervention, our keynote speakers and panelists will give an element of response to that. And on this, let's have the honor to invite the Professor Mouna Laroussi, who is the director of Francophonie Institute for Education and Training, to make an intervention. Professor Mouna, you have the floor. Merci. En attendant qu'il y ait ma présentation sur l'écran, je voulais remercier l'IDEP de nous avoir donné cette occasion de se voir et de parler d'un sujet très important et très intéressant. Madame Karima Bounoumra avait bien expliqué les défis de l'éducation, mais ce serait toujours intéressant de les reprendre parce qu'on travaille dans un milieu qui est très concurrentiel, mais on n'est pas tous très solidaires pour relever les défis. Je m'explique. À côté de tous les défis que Madame Karima a exposés, en termes d'accès, en termes d'inégalité sociale, en termes d'équité, et pour mettre l'éducation en premier point, comme Karim avait bien indiqué, éducation plus éducation plus éducation, moi je rajouterais éducation plus éducation, mais surtout formation professionnelle. Il faut dire que 63% de la population, elle est en décrochage scolaire en Afrique. Et 63%, c'est énorme.
Si on parle aussi, bon, ma présentation pas hautement bonne avance, mais c'est pas grave. Si on parle également de tous les problèmes qui sont liés à l'accès à l'éducation, au décrochage scolaire, post-Covid, le Covid, c'est bien qu'il ait mis en place un système de parallèle en mettant en place l'en ligne et en démystifiant la notion d'enseignement en ligne. Mais à côté, tous les jeunes ont quitté l'école. On était à 56% de décrochage scolaire, on est à 63%. C'est-à-dire que les inégalités ont aussi augmenté à cause du Covid. Et on est plusieurs acteurs à travailler dans l'éducation. On est que ce soit dans la francophonie, que ce soit dans l'UNESCO, que ce soit des associations. Mais malheureusement, on n'est pas tous solidaires pour travailler correctement dans des niches où on peut faire la différence. Et ça aussi, c'est une question qu'on doit remonter et revoir. Les ODD-4, je pense qu'il ne faut pas que des accélérateurs, il faut des Boeing et des fusées pour pouvoir les atteindre. Mais quand chacun travaille tout seul, c'est impossible à atteindre. En termes de transformation de l'éducation et pour résoudre le problème de l'accès et tout ça, il faut qu'on travaille aussi sur comment pouvoir travailler tous ensemble pour atteindre les objectifs du développement durable 4. Bon, entre-temps, ma présentation n'a pas pu être partagée sur l'écran, mais je vais quand même réessayer. Oui, je me suis connectée, mais attends juste. D'accord, là, partager. En fait, je vais la partager, mais pas en plein écran, comme ça, on peut la faire, parce que je sais que c'est ce qu'il faut. On va partager comme ça. Je ne vais pas la mettre en plein écran, mais là, je pense que ça va aller. Là. Hop. La résilience. Moi, je vais vous parler d'autre chose. Je vais peut-être les défis, on va les laisser à côté. Et pour aller un peu au futur, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on peut façonner notre système de compétences pour un avenir différent? On parle très souvent maintenant de ce qu'on appelle les compétences du 21e siècle. Donc, pourquoi on parle de ces compétences du 21e siècle et non pas de métiers du 21e siècle? Je vais juste vous dire quelque chose de très simple. J'ai toujours, je suis peut-être pas de la même génération que les jeunes d'aujourd'hui, mais moi je trouve un métier de TikToker un métier que je n'imaginais même pas il y a 5 ans. Et pourtant, ce sont des gens qui gagnent énormément d'argent. Ce sont des gens qui se mettent sur le marché, enfin, Instagrammeurs, TikTokers. Je prends le cas du TikToker parce que c'est des jeunes de 15 ans qui font vivre leurs parents maintenant. Et c'est généralement les parents, quand leur fils a le bac, avant, il imaginait son fils médecin, avocat, ingénieur. Maintenant, il dit, mon fils travaille en tant que TikToker et ça ne lui dérange pas du tout, mais il est même très fier. Donc voilà, ça, ce sont des métiers qui n'existaient même pas il y a 20 ans et que maintenant, ce sont des métiers qui s'imposent sur le marché. Après, pourquoi on parle aussi de compétences? Parce qu'on a tous ici eu une formation différente des métiers que nous sommes en train de pratiquer. On a tous eu une formation qui nous a préparés à rentrer dans le marché de l'emploi, mais après, on a évolué autrement. Donc, on ne parle plus de métiers de l'avenir, mais ce sont les compétences. Après, vu ce qu'on imagine et vu ce que le monde du numérique, on est dans un monde très interdisciplinaire où on touche à tout, hein. On n'attend pas quelqu'un qui vient brancher l'ordinateur parce qu'on ne sait pas le faire. On le fait. On n'attend plus quelqu'un pour traiter votre fichier. On n'a même plus besoin d'une secrétaire pour arranger votre emploi du temps parce que tout ça, ce sont de l'interdisciplinarité. Donc, ce sont des nouvelles compétences qu'on travaille avec. Et puis, on travaille de plus en plus, peut-être avec le Covid maintenant, sur des personnalisations des carrières. Et on a même des jeunes qui imposent sur leur contrat de travail le nombre de jours où ils sont en télétravail. Et ça, c'est un nouveau mode de travail de personnalisation qui est arrivé. Et donc là, on est dans une phase où on parle de nouvelles compétences et non pas de nouveaux métiers. Après, en fait, je parle un peu des changements sociétaux parce que le numérique est rentré dans notre vie, est rentré d'une manière forte, imposante. On est là avec le numérique et on ne sait pas ce qui se passe. Et la meilleure chose, c'est l'image numérique. Je m'explique en parlant d'image numérique parce qu'on pense tous qu'on n'est pas connu. On n'est pas connu parce qu'on n'a pas de compte Facebook, on n'est pas connu parce qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux. Et pourtant, sur Internet, tout le monde finit par être connu. Même si vous, vous ne partagez pas, votre voisin vous partage. Donc, vous êtes connu. Et puis, on a une réputation
Certes, mais on a plus une réputation en ligne aujourd'hui qu'une réputation en présentiel. Et cette réputation en ligne, on ne la crée pas nous-mêmes. Elle est aussi créée par tous ceux qui partagent avec nous nos informations. Et même, j'assiste même, moi, à mes collègues qui me disent, oui, mais moi, j'ai bien travaillé le week-end ou j'ai rien fait le week-end. Après, on voit sur les réseaux sociaux quelqu'un qui le tague dans un mariage ou autre. Du coup, même le mensonge est devenu difficile avec cette image numérique qui est là. Et puis, cette image numérique, si vous ne la créez pas vous-même, elle est créée par tous les autres. Donc, autant qu'on la crée nous-mêmes. Après, il y a toute cette réputation numérique qui établit de la crédibilité et la légitimité. Et puis maintenant, les jeunes ne nous envoient même pas de CV quand ils postent pour les postes de l'IFEF. Ils m'envoient le lien et LinkedIn pour tout simplement. Au début, je refusais, mais après, maintenant, je le prends parce que finalement, c'est un autre mode de voir comment on fait et comment on a été accepté. Donc là, c'est un peu pour parler de cette image numérique. À côté de cette image numérique, il y a un autre problème qui arrive aussi, qui est l'éducation aux médias et à l'information. Et là, je m'explique. Vous savez un peu tout ce qui se passe au niveau des médias, toutes les informations et la désinformation qui se trouve, comment on peut la traiter, comment on peut la prendre. C'est aussi cette situation, est-ce que tout ce qui existe sur Internet est correct? Est-ce que toutes les informations qui sont correctes? Et c'est devenu une arme. Au début, on se posait la question, est-ce que c'est correct? Maintenant, on se pose la question, comment on peut gagner grâce à cette désinformation? Et donc ça, il y a tout un travail qu'on doit faire sur l'éducation aux médias et à l'information. On a même à l'IFEF, on développe ce qu'on appelle les micro-modules of learning, MML, ou les micro-modules d'apprentissage. Et un des modules qu'on m'a demandé de faire et qu'on est en train de développer, c'est l'éducation aux médias et à la désinformation. Et il y a aussi toute la promotion de la sécurité en ligne et de sa vie privée. Donc là, c'est toute la partie cybersécurité. Qu'est-ce que je dois mettre? Qu'est-ce que je ne dois pas mettre? Quelles sont les données que je dois partager? Nous avons assisté au moment de la COVID à l'utilisation massive d'Internet, mais les enseignants n'étaient pas prêts à cette utilisation massive d'Internet. Donc il y a eu beaucoup de données des élèves, des parents, des enfants qui ont été partagés sur Internet parce que, en fait, ils ne savaient pas comment faire. Et puis, il y a eu le piège où on nous disait que les outils, c'était gratuit. Or, ce n'était pas gratuit parce que si l'outil est gratuit, le produit, c'est vous-même. Donc, ils ont utilisé tout ce qui était gratuit. Donc, on a eu plein de données qui ont été partagées. Donc, il y a cette image numérique doit aussi être associée avec les données de la personne. Après, donc là, j'arrive un peu à la collaboration de cette image numérique avec les parents et la communauté. Et puis, Karim a dit, les enseignants se sont retrouvés dans le numérique en train d'utiliser. Est-ce qu'ils ont été formés à ça? Ils n'ont jamais été formés à ça. Ils ont même des élèves qui sont mieux formés qu'eux. Et ils trouvent que, est-ce que je peux demander à l'élève de me dire comment je vais faire? Est-ce qu'il le fait ou il ne le fait pas? Donc, on était dans une situation comme ça. Les élèves étaient plus avancés que les parents et les enseignants et tout le personnel d'encadrement. Et on s'est retrouvé à une situation, on parle d'alphabétisation numérique des enseignants. Et puis, aujourd'hui, on connecte aussi à ce que 65% des projets de développement sont externalisés, donc on est en connexion planétaire avec le numérique. Les produits que nous développons, les produits qu'on a achetant, ils ne sont pas développés forcément dans les pays qui vendent leurs produits. Le téléphone portable, il n'est pas conçu ni aux États-Unis ni ailleurs, c'est toute la Chine qui le fait. Les logiciels sont développés en Inde, et puis voilà. Et puis dans nos pays, en Afrique, deux ingénieurs de TIC ou de numérique, dans les pays en voie de développement, quittent leur pays pour travailler au Nord. Donc, il y a un départ massif des ingénieurs de tous les pays, de nos pays en développement. Et puis, il y a cette augmentation de l'interconnectivité qui place l'adaptabilité et les diversités au centre de nouvelles organisations. Et moi, je vais juste poser une question. Si je suis un développeur informatique et au Sénégal qui travaille, par exemple, pour une entreprise américaine, si j'ai un problème juridique, quel droit est appliqué?
Ce sont aussi ces questions. Je suis en termes de ressources. J'ai le problème en ressources humaines. J'ai un ingénieur TIC à l'IFEF qui travaille avec Paris. Le lundi, il n'est pas venu. Je l'ai appelé, il m'a dit, oui, madame, c'est férié à Paris. Je dis, oui, férié à Paris, mais à Dakar, c'est pas férié. Et vous prenez les jours fériés à Dakar. Il m'a dit, oui, c'est ça. Voilà un peu, quand on travaille à l'externalisation, quelles ressources humaines, quels droits appliquer. Et c'est ça l'interconnectivité, c'est ce qu'elle a donné. Après, on travaille dans un monde d'informaticien, parce que là, j'ai mis en 2023, mais là, j'avais la 2024. En une seconde, voilà toutes les informations qui sont déversées dans le monde. Le nombre de posts Instagram, le nombre de recherches Google, le nombre, toutes ces données-là en une seconde. Donc là, on a une grande quantité de données à analyser, à modéliser, à prendre la décision. Et c'est là où intervient l'intelligence artificielle aujourd'hui. Parce que toutes ces données-là existaient, elles étaient traitées par une minorité de personnes qu'on appelait les GAFA ou autres. Maintenant, avec la démocratisation des accès aux outils de l'intelligence artificielle, toutes ces données-là peuvent être traitées par n'importe quelle personne. Et là, les données, c'est vraiment l'or noir, quoi. Maintenant, on travaille avec les données. Je parlais aussi tout à l'heure d'organisation interdisciplinaire. C'est aussi une organisation sans frontières. Maintenant, dans une entreprise, on peut trouver un ingénieur à Dakar, l'autre en Côte d'Ivoire, l'autre en Inde. Et puis, ils travaillent 24 heures sur 24 sans arrêt. Il y a une nouvelle mode pour tisser les relations, pour s'exprimer, pour s'engager. Ils parlent tous anglais, malheureusement pour moi, mais ils discutent entre eux et puis bon, ils établissent des liens différents. Aussi, il y a toute cette partie de transition qui doit se faire et qui doit mettre en place d'une manière beaucoup plus productive qu'avant. Je vais laisser les parties transition. J'ai dit que les nouveaux moyens de travail arrivent et puis pour l'éducation aussi. Nous avons affaire à une IA générative, j'ai dit rédactrice, traductrice, illustratrice, vidéaste, bavarde aussi, codeuse, enquêteuse. Donc en fait, l'IA arrive. J'ai plaisanté hier en travaillant avec mes collègues et ils m'ont dit, je sais pas comment on a posé la question sur les évaluations parce qu'on fait en formation en ligne et on leur donne un forum et on leur impose qu'ils soient là dans le forum. Et ils me disent, oui, il y a des participations fantômes. J'ai dit, de quel type? Ils disent, bonjour. J'ai dit, et ceux qui copie-colle de ChatGPT, vous les appelez quoi? Ils m'ont dit, oui, mais c'est des phages, je ne sais pas, ils sont peut-être, comment ils ont dit, trichés. J'ai dit, non, ce n'est pas des tricheurs. Les tricheurs, c'est l'enseignant. Parce qu'en fait, l'enseignant pose une question. Si l'IA peut répondre à la question, c'est que la question était mal posée ou mal évalué. Donc, on assiste maintenant à un nouveau moyen de travail, à une nouvelle intelligence qui l'enseignant peut aussi a dû aussi travailler sa question avec l'IA. Donc, finalement, c'est l'IA qui travaille. L'enseignant pose la question que l'IA lui a dictée. L'enseignant, l'élève prend cette question, la balance et l'IA lui répond. Voilà. Donc, au début de l'IA, je demandais des éléments de langage à mes collègues ou autres, ou à des personnes, je balançais ces éléments de langage sur l'IA pour qu'elle voie à quel moment ils l'ont créé et pourquoi. Donc, je leur envoyais, voilà, vous avez créé ça tel jour, tel lieu. Mais ce n'est pas de la triche, c'est un outil comme un autre. Est-ce que le fait d'utiliser le téléphone, c'est de la triche? Non, ce n'est pas de la triche. C'est à nous de changer pour que l'IA, dans l'éducation, soit un élément porteur. Je reviendrai là-dessus après, derrière. Donc, maintenant, quelles sont les compétences du futur et qu'on veut avoir? Le numérique est vraiment au cœur de cette intelligence, ces compétences du 21e siècle. L'intelligence numérique, ce sont les outils qu'on a, comment on peut les utiliser, comment on peut créer et comment on peut aussi les améliorer. Et c'est ça un peu ce qu'on appelle l'intelligence numérique. Et puis, surtout, Karim l'avait dit, on doit aussi pouvoir créer de la connaissance et du savoir et non pas uniquement consommer. On doit aussi pouvoir utiliser les technologies et le numérique pour résoudre des problèmes complexes et surtout transversaux. Parce qu'un problème maintenant n'est pas résolu d'une manière unique. Il peut être résolu d'une manière avec plusieurs facettes. Donc, comment on peut l'utiliser avec l'intelligence numérique? Et ça, ce qu'on appelle l'intelligence. Après, il y a toute cette partie résilience.
surmonter les défis, les contretemps. On doit être flexible face aux changements, stable dans des situations très exigeantes. Et on doit aussi pouvoir avoir la gestion du projet d'équipe. On doit devoir avoir les capacités individuelles et pouvoir travailler différemment avec plusieurs personnes. Il y a aussi toute cette partie, ce que j'appelais tout à l'heure, transdisciplinarité, lire et comprendre des concepts de plusieurs disciplines, de pouvoir croiser les savoirs. Donc, on ne peut plus être juste dans notre domaine, je suis juste dans l'économie et je ne dois pas comprendre le reste. Non, maintenant, il y a cette transdisciplinarité qui rend les compétences du 20, rentre dans les nouvelles compétences. Je ne sais pas si je vais le parler après. Il y a aussi tout cet esprit critique qu'on doit mettre en place. Parce qu'avec l'arrivée des nouvelles technologies, il y a beaucoup de choses qui sont données comme une vérité absolue. Donc là, parmi les compétences du 21e siècle, il faut avoir cet esprit très critique qui permet de dire, voilà, cette partie, elle est correcte, l'autre non, et comment je peux l'améliorer? Et il faut aussi pouvoir accéder à des manières à l'information pertinente. Tout à l'heure, on avait vu la slide où il y a plein d'informations que sur Internet, mais est-ce que toutes ces informations sont pertinentes pour moi? Parce que ça nous fait perdre aussi du temps de naviguer dans des informations qui ne sont pas intéressantes et qui ne sont pas les nôtres. Donc, parmi ces informations-là, on peut dire tout que le fait de naviguer, d'être dans la navigation ne nous arrive à rien, mais comment je peux savoir quelle est l'information la plus intéressante pour moi? Donc, évaluer les informations est une approche critique, utiliser la justesse, la créativité et développer et évaluer des contenus publiés pour les nouveaux médias. Et c'est ça aussi l'affaire, la différence. Le problème aujourd'hui, c'est que quand on fait une recherche sur Google, on a toutes les informations et on a les informations sponsorisées. Donc, comment nous, on peut dire que ce n'est pas besoin de cette information sponsorisée, mais j'ai besoin d'autres. Beaucoup maintenant font leur recherche sur ChatGPT, sur l'outil ChatGPT. Il permet de faire une recherche. Mais ChatGPT aussi, il travaille sur les données existantes et il extrapole. Il fait une probabilité sur les données qu'il n'a pas. Donc, c'est cette probabilité-là qui ne doit pas forcément être toujours très correcte. Donc, si quelqu'un n'a pas cet esprit critique pour pouvoir dire que non, cette information n'est pas toujours pertinente, il va la prendre et la diffuser et la multiplier. Donc, il y a toute cette partie-là qui est parmi les compétences du 21e siècle. Ce qui nous intéresse, nous, les compétences du 21e siècle existent, l'OCDE en a parlé, il y a beaucoup de publications là-dessus, mais est-ce qu'on les implémente réellement dans nos cursus scolaires? Vous n'allez pas me dire comme les disent, moi, mon problème, ce n'est pas implémenter les compétences du 21e siècle, mais dire que l'enseignant aujourd'hui travaille ou non. Moi, je suis toujours dans l'optique où dire, même si on a tous les problèmes en Afrique et qu'on n'a pas la possibilité d'avoir les compétences du 21e siècle, le numérique, etc., mais on doit être prêt à ça. Même si on a des problèmes d'accès, on doit être prêt à utiliser le numérique dans nos salles de classe, à avoir les compétences du 21e siècle, à préparer nos enfants comme tout enfant qui est dans une autre classe, dans un autre pays. Donc, comment on peut implémenter les cursus? Donc, il y a plusieurs pistes. J'ai assisté beaucoup de classes où l'enseignant fait travailler les enfants par petits groupes. Et puis, il y a toujours un ambassadeur de ce petit groupe qui parle et qui présente le travail de groupe. Donc là, on leur a appris le travail collaboratif, la résilience et le savoir, être et surtout être, à l'aise en public pour présenter. Donc là, on peut intégrer de ces compétences dans des programmes existants ou comme un objet d'étude. Donc, en fait, il est très important, par exemple, d'envoyer une information qui n'est pas correcte et de la faire traiter par les élèves et que eux ils disent OK et que eux ils disent à la fin avec leur esprit critique que cette information n'est pas juste. Donc ça c'est aussi comme un objet d'étude. Il y a aussi cette partie de disséminer le soutien aux autres au projet avec une transversalité et de l'intégrer dans les nouveaux curriculums et voilà certains pays qui ont carrément changé leur curricula pour intégrer les compétences du 21e siècle. Donc, vous voyez un peu tous ces pays-là qui l'ont fait, et donc nous aussi, on peut le faire. Et donc, comment on peut le faire? Donc, j'ai dit qu'il y a l'apprentissage innovant. Moi, je pense, et puis dans la transformation de l'éducation, on parle beaucoup de valoriser le métier de l'enseignant
Et donc, moi, je pense qu'il faut aussi changer le rôle de l'enseignant en le valorisant. Donc, nous, on travaille beaucoup sur la formation des enseignants. D'ailleurs, même, on est très présent au Tchad. Et donc, là aussi, c'est le rôle de l'enseignant, le valoriser, le former et lui expliquer comment faire. Il y a aussi toute cette partie, le défi de l'évaluation. Quel type d'évaluation on va donner à nos élèves? Karima, tout à l'heure, a dit, on donne l'information à l'élève et on lui demande de nous la restituer. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Il faut que l'élève soit dans la création, dans l'innovation, dans le changement. Et il faut qu'il travaille d'une manière transversale. Il faut considérer que cet élève-là, c'est le citoyen de demain et le préparer dans ce sens. Comme il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais essayer de juste, voilà, je vous dire au revoir, mais je voulais juste vous montrer une autre présentation, mais on peut la laisser après si je n'ai pas le temps. Pour le numérique, et quels sont les défis du numérique? Est-ce qu'on le fait maintenant? On va répondre aux questions. Je pourrais répondre aux questions. OK, on peut s'arrêter là. Merci, Donc, merci. merci. Merci beaucoup, professeur, pour cette brillante présentation. Professeur Mouna Laroussi, directrice de l'Institut de l'éducation et de la formation de la francophonie, et pour cette brillante intervention. Nous avons noté beaucoup d'informations qui pourront être partagées à tous les participants. Donc, vous avez dit que il y a encore beaucoup d'inégalités qui existent. 63% de la population est en décrochage scolaire, en décrochage scolaire. Ça, c'est un élément important. Et vous avez appelé à travailler ensemble, donc les acteurs du monde de l'éducation. Donc, ça, c'est un élément important. Je note également que vous avez mis l'accent sur le fait qu'il ne faut pas regarder forcément les métiers du futur, mais de regarder les compétences du 21e siècle. Donc ça, c'est un élément important que nous notons, parce qu'au sein même des Nations Unies, il y a des réflexions sur ce qu'on appelle la science du comportement. Donc, il met un accent particulier sur les préférences générationnelles. Donc, vous avez dit, entre les différentes générations, il y a différentes capacités. Et les métiers du futur qu'on ne connaît pas encore, c'est vraiment des éléments importants que nous notons. Il faut être prudent, il faut éduquer, faire une éducation aux médias et à la désinformation parce que nous avons beaucoup, beaucoup d'informations sur l'Internet. Mais bon, tout n'est pas vérité. Donc, c'est très bon. Merci beaucoup pour cette brillante présentation. Je voudrais appeler maintenant le professeur Moussa Lo, qui est le recteur de l'université Cheikh Amadou Kane et du Sénégal, donc à prendre la parole pour sa présentation. Pour ce lot, à vous. Merci beaucoup, monsieur le maître de cérémonie, monsieur Dussault. Je n'ai pas de présentation PowerPoint. Allez-y. Excellences, mesdames, messieurs les représentants du corps diplomatique, madame la directrice de l'IDEP, madame la directrice de l'IFEF, mesdames, messieurs les membres du personnel de l'IDEP, chers collègues, distingués participants en vos titres, grades et qualités, en présentiel ou en ligne. Je voudrais d'abord remercier Madame la directrice de l'IDEP et son équipe pour m'avoir fait l'honneur, en tout cas, de me choisir pour prononcer ce discours inaugural du séminaire de développement sur le thème tiré parti des technologies numériques pour une éducation inclusive, continue et adéquate en Afrique. Vous imaginez bien que pour le recteur de l'université numérique, Cheikh Amadou Kane, que je suis, alors ex-université virtuelle du Sénégal. Vous imaginez que c'est avec beaucoup de plaisir que je me plie à cet exercice. Alors, je m'en vais, en fait, après avoir rappelé brièvement le contexte mondial, mais que vous avez abordé, mesdames les directrices, déjà, les opportunités offertes par le numérique éducatif, l'exploitation des technologies numériques au profit de l'éducation, en revenant un peu sur le retour d'expérience de notre institution, les défis posés par l'usage des technologies numériques pour l'éducation, et faire des recommandations pour encourager l'usage du numérique dans l'éducation en Afrique. Et je terminerai mon propos par une conclusion incluant donc des perspectives. Alors, en tant que continent en constante évolution, l'Afrique se trouve à un moment crucial de son développement et l'éducation y joue un rôle crucial dans la réalisation de son plein potentiel.
La disponibilité de ressources humaines qualifiées est l'un des facteurs déterminants du développement économique. Il est vrai que notre continent est confronté à de nombreux défis dans le domaine de l'éducation. Je pense que les défis, vous êtes revenus largement là-dessus. Mais l'émergence des technologies numériques offre des opportunités sans précédent pour repenser et renforcer l'éducation dans notre continent. Ces innovations nous offrent une chance unique de surmonter certains obstacles contribuant ainsi à la croissance économique et au développement durable de nos nations. Cependant, la transition vers l'éducation numérique n'est pas sans difficulté. L'un des principaux défis réside dans l'infrastructure technologique. Il est essentiel d'investir dans les infrastructures de connectivité et d'accès à Internet pour garantir à tous les apprenants des ressources en ligne de qualité. Un autre défi majeur est le renforcement des compétences numériques. On en a déjà beaucoup parlé, afin de faciliter l'utilisation efficace des outils technologiques, pour ne citer que cela. Le contexte mondial, et particulièrement africain, est marqué notamment par une économie de plus en plus centrée autour du savoir, une internationalisation des compétences. Madame, la Russie a beaucoup parlé des compétences du 21e siècle, une diversification et une privatisation croissante de l'offre de formation. Une hétérogénéité des apprenants avec une place accrue de la formation tout au long de la vie, une massification des effectifs d'apprenants liés au contexte démographique du continent, une insuffisance des ressources, qu'elles soient infrastructurelles, humaines ou technologiques, la nécessité de garantir la qualité de la formation, la révolution numérique évidemment, le développement rapide de l'intelligence artificielle générative. Et la fracture numérique qui est toujours d'actualité entre le Nord et le Sud, mais aussi à l'intérieur du continent et à l'intérieur même des pays. L'informatique a transformé les modes de vie des communautés et surtout les modes d'apprentissage et de recherche dans tous les domaines, que ce soit l'industrie, la communication, la santé, la culture, les sciences de la société, en offrant un accès universel à l'information et à de nouvelles possibilités pédagogiques. En ma qualité de professeur en informatique, j'ai eu le privilège de former et d'encadrer plusieurs générations d'informaticiens. Et tout au long de ces années, j'ai pu observer vraiment l'évolution rapide de l'informatique avec l'émergence de nouvelles technologies et de nouveaux outils. Dans cet environnement en constante transformation, j'ai veillé à préparer les apprenants à ces évolutions en leur transmettant les compétences nécessaires. Le terme compétence revient très souvent dans mes propos. C'est juste pour conforter ce que disait tout à l'heure. Madame la directrice, nécessaire pour s'adapter et réussir dans un monde numérique en perpétuelle mutation. Excellences, Mesdames et Messieurs, les prévisions indiquent que cette transformation n'en est en réalité qu'à ses débuts et que l'informatique aura un impact encore plus grand sur l'éducation en particulier. Nous parlons désormais d'un monde numérique au sens large qui s'appuie sur deux grands leviers, celui des matériels informatiques et celui de la science dans l'informatique. La révolution numérique a provoqué un profond bouleversement des sociétés par l'essor des techniques numériques telles que l'informatique et le développement du réseau Internet, et les objets et applications numériques évoluent à une allure soutenue. Cependant, les innovations introduites dans ce domaine susceptibles de favoriser une accélération de la croissance économique doivent pouvoir s'appuyer sur une infrastructure adaptée au transfert de données à haut débit, capable d'accompagner un enseignement de qualité à distance. Alors, je m'en vais essayer de répondre à la question, pour, en fait, en tout cas, quelles sont les opportunités offertes par le numérique éducatif, avec un peu le recul que j'ai par rapport à tout ce que j'ai vécu ces dernières années, en tant qu'enseignant, mais aussi en tant que dirigeant d'une université virtuelle qui est devenue université numérique. L'usage des technologies numériques dans le processus éducatif présente plusieurs opportunités, et ce, pour tous les acteurs du système éducatif. Alors, pour l'apprenant, cela présente plusieurs avantages majeurs, notamment l'accès à plus de ressources pédagogiques, la possibilité d'étudier à son rythme à tout moment et en tout lieu, l'opportunité de rester dans son terroir et de mener une activité professionnelle parallèle, l'auto-formation, l'autonomie dans l'apprentissage, l'esprit de créativité et d'initiative. C'est pourquoi d'ailleurs je fais souvent remarquer que nos étudiants à l'Université numérique Charles Doukane partent avec des chances certaines liées au modèle pédagogique que nous avons pour leur employabilité, notamment avec des compétences numériques, maîtrise de l'outil numérique, l'esprit de créativité, la capacité d'adaptation, donc l'agilité, l'autonomie, sans oublier les cours transversaux, leadership, développement personnel qu'ils reçoivent en première année.
Il y a cependant un besoin d'adaptation pour la plupart des apprenants, souvent habitués à une méthode transmissive dans leur apprentissage. Et cela se traduit, Madame la directrice en a parlé tout à l'heure, généralement par un taux d'abandon plus ou moins important. À l'université numérique Chami Doukane, on a eu au début des taux d'abandon qui sont allés jusqu'à 50% en première année, qu'il a fallu corriger en adoptant une stratégie de rétention basée notamment sur l'introduction de cours transversaux en présentiel et en encadrement par les pairs, ce qui a ramené ce taux de rétention aujourd'hui, en tout cas à 80% en première année depuis 2, 3 ans. Mais ce qu'on a remarqué en même temps aussi, c'est qu'au moment où ce taux d'abandon était important en première année, à partir de la deuxième année, il était pratiquement nul. C'est-à-dire qu'il s'adaptait assez rapidement. Donc, en fait, en réalité, les jeunes s'adaptent très rapidement, mais c'est parce qu'aussi on les a habitués à un modèle d'apprentissage trop transmissif pendant tout le cycle du préscolaire jusqu'au lycée. Alors, de la même manière, les technologies numériques offrent également de nouvelles opportunités pour l'enseignant. Donc, il y a désormais la possibilité de centrer l'enseignement sur l'apprenant, de revoir le temps et l'espace d'apprentissage, vous l'avez dit tout à l'heure, améliorer la qualité de l'enseignement, favoriser l'apprentissage collaboratif et disposer évidemment de plus de ressources pédagogiques. Mais pour les enseignants, le principal défi reste la gestion du changement, parce que les enseignants ont du mal à sortir de leur zone de confort, et ça, c'est valable aussi bien dans les secteurs éducatifs de base que dans l'enseignement supérieur. Je parle sous le contrôle de mon collègue, docteur Mamoudou Cissé, qui sait de quoi je parle. Les enseignants sont très, très réfractaires au changement, malgré tout. Certains, en tout cas pour la plupart, je pense qu'ils sont assez réfractaires au changement. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, hein. C'est bien, mais souvent ils sont très têtus. J'en fais partie, de toute façon, je sais de quoi je parle. Alors, à l'Université numérique Chami Doukane, nous menons des activités de renforcement de capacité de nos enseignants, donc qu'ils soient permanents ou associés, sans oublier les tuteurs qui constituent un pan important du dispositif d'encadrement et d'animation dans l'enseignement en ligne. Nous avons mis en place depuis quelques années un certificat de compétences au tutorat en ligne afin d'enrichir les activités d'enseignement-apprentissage. Et pour les établissements, les technologies numériques aussi permettent, entre autres, d'améliorer la qualité des prestations. La notion de qualité revient très souvent. D'élargir la cible, donc diversifier l'origine des apprenants, promouvoir l'éducation tout au long de la vie, mais aussi de proposer des solutions pour les problèmes liés à la massification, à l'insuffisance des ressources, que ce soit des ressources en termes d'infrastructure, des pairs, etc. Et sur ce dernier point, en termes donc de solutions, en termes de démocratisation de l'accès à l'éducation, l'exemple concret est celui de notre université qui a été créée en 2013 et qui, après seulement 10 ans d'existence aujourd'hui, compte plus de 70 000 étudiants, dont 56% de filles et 44% dans les filières STEM et numérique. Cela traduit en tout cas une volonté de l'institution aussi de s'orienter vers des formations professionnalisantes et porteurs, en proposant des filières innovantes comme la communication digitale, le multimédia, le développement d'applications web ou mobiles, les arts graphiques et numériques, la legal tech, etc., à des bacheliers qui sont des bacheliers littéraires. Parce que souvent, aujourd'hui au Sénégal, nous avons 80% de bacheliers littéraires contre 20% de bacheliers scientifiques. Et on a remarqué que la plupart de ces bacheliers littéraires n'ont pas beaucoup d'offres, en tout cas de formation, dans les universités, à part les filières classiques. Donc, ce qu'on a fait, c'est essayer d'ouvrir des formations qui sont liées au métier du numérique, aux compétences numériques, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et on leur offre ces formations et ils s'en sortent très bien. Parfois, ils sortent même meilleurs que les bacheliers scientifiques. Parmi ceux qui m'accompagnent, je pense, dans l'équipe, il y a au moins 2 alumni qui, à la base, je pense, n'étaient pas des scientifiques. Adidjatou, je pense, en fait partie. Il y a Momoudou, je pense, qui était. En tout cas, qui font partie des alumni de l'université et qui, à la base, n'étaient pas des scientifiques. Alors, l'université accueille depuis 4 ans, hein, le tiers des bacheliers orientés dans les universités publiques, ce qui a évidemment entraîné une montée en puissance rapide en termes d'effectifs. Donc, nous sommes devenus la deuxième université après l'UQAD en termes d'effectifs. Cette année, c'est 20 000 bacheliers qu'on a, plus de 20 000 bacheliers qu'on a reçus, dont 12 000 filles et 8 000 garçons. Et nous avons essayé de développer des contenus pédagogiques innovants et adaptés aux besoins du marché du travail. Bon, la COVID, je ne vais pas
revenir là-dessus. Ça a été, on en a assez parlé, je pense. Je vais peut-être juste revenir assez rapidement sur quel est le la culture de formation que nous avons au niveau de l'Université Numérique Charles Médocande, c'est-à-dire quels sont les principes de base. Les principes, c'est soft skills, donc on en a parlé tout à l'heure, le leadership, le développement personnel, le travail en équipe, le service à la communauté, la pédagogie de la classe inversée, la crédibilité des examens. Ça aussi, ça a été une difficulté. On a eu plusieurs modèles. Quel type d'examen, quel type d'évaluation, est-ce qu'on les fait en présentiel, est-ce qu'on les fait en ligne? Aujourd'hui, on fait les examens en présentiel, particulièrement pour les licences et en ligne pour les masters, à distance. Mais même quand c'est en présentiel, c'est en ligne. Donc, ils utilisent leurs ordinateurs. Mais tout est surveillé, que ce soit en présentiel ou à distance, il y a une surveillance. Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de questionnements sur la question de la crédibilité du diplôme par rapport à ces questions-là. On utilise aussi beaucoup de professionnels et l'inclusion. Alors, c'est un de nos principes de base hein, qui traduit notre devise, Fonek Fofle. En tout cas, en Wolof, je ne sais pas comment le traduire, c'est là où tu es, c'est là où ça se passe. Donc, ça, c'est un peu notre devise qui se matérialise par un accès à la formation à toutes les catégories d'apprenants, quel que soit leur lieu d'habitation et leur appartenance socio-professionnelle. Et cette dimension est rendue possible grâce au réseau d'espaces numériques ouverts aussi que nous avons et qui sont un peu partout au niveau du Sénégal. Et enfin, l'attraction des étudiantes donc dans nos filières de formation. Je le disais tout à l'heure, nous avons aujourd'hui 56% de filles contre une moyenne nationale de 33% dans les universités. Alors, j'ai peut-être sur les défis, alors sur les défis très, très rapidement, peut-être revenir un peu sur un défi de taille. Qui est la conduite du changement, la gestion du changement que nous avons vraiment eu à, en tout cas, à vivre pendant toute la durée de, en tout cas, depuis que l'université existe. Je pense que c'est, en termes d'acceptation, ça a été le premier défi auquel nous devions faire face, l'acceptation de la communauté par rapport à ce modèle d'apprentissage. J'ai dit souvent que l'enseignement à distance a toujours existé dans nos pays, particulièrement au Sénégal. Hein, il y a des expériences avec l'EBAD, avec l'UGB, la FASTEF. Il y a eu beaucoup de formations à distance. Mais ce qui a changé avec l'université virtuelle en 2013, c'est que les formations à distance qui existaient étaient destinées à des professionnels, donc des personnes d'âge mûr, mais aussi à des effectifs réduits. Alors, avec l'université virtuelle, l'État a expérimenté un enseignement à distance de masse et destiné à des cibles beaucoup plus jeunes, donc qui n'étaient pas forcément préparés à ce mode d'apprentissage. Et c'est ça la rupture qui a été opérée en fait en 2013. Et c'est ce qui a fait qu'il a fallu rester un bon moment avant que les gens acceptent ce modèle-là. Il a fallu sortir les premiers diplômés pour que les gens soient convaincus que ce modèle-là pouvait fonctionner. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus besoin de faire. Voilà, donc ça, c'est un des premiers défis. Maintenant, l'autre défi qui a été là et qui demeure, c'est la dépendance technologique vis-à-vis des fournisseurs d'équipements informatiques et d'accès à Internet. Que ce soit l'accès à des ordinateurs, que ce soit l'accès à des terminaux intelligents, l'accès à l'Internet mobile pour les étudiants. Ça reste un défi de taille qui est là et sur lequel nous travaillons au quotidien. Et je pense que c'est peut-être aussi un des freins même au développement, en tout cas à l'essor du numérique éducatif dans beaucoup de pays. Alors, quelques recommandations peut-être pour encourager l'usage du numérique dans l'éducation, en tout cas sur le continent. Et c'est justement la première recommandation pour moi, c'est à destination des opérateurs de télécommunications ou bien les fournisseurs d'accès à Internet. Moi, j'ai toujours dit, et ça, je l'ai répété plusieurs fois pendant la COVID, il faudrait qu'on puisse rendre l'accès gratuit aux plateformes de formation qui hébergent les ressources pédagogiques. Je m'explique. On a aujourd'hui beaucoup de ressources pédagogiques qui sont disponibles dans des plateformes de formation. Mais
Pour y accéder, il faut payer. Parce qu'il faut consommer voilà, l'Internet mobile, par exemple, entre autres. Ça n'encourage pas les jeunes à y aller, puisque, ben, quoi qu'on dise, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, on a les TikTokers, ils sont très forts dans les réseaux sociaux, mais quand il faut apprendre, ils sont moins. Ils sont moins, voilà, moins enthousiastes. Donc, il faut peut-être les encourager. Et je pense que quelque part, c'est aussi une question de responsabilité sociétale d'entreprise pour les opérateurs. Bon, ils vont vous dire toujours qu'il faut que quelqu'un paye. C'est la réponse qu'ils donnent. Bon, après ça, c'est. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, c'est vraiment un aspect assez important. Mais aussi, un autre aspect, c'est comment faire pour intégrer le numérique éducatif comme une composante à part entière du dispositif de formation et d'éducation. Aujourd'hui, dans la plupart de nos systèmes d'éducation, que ce soit même dans les établissements, le numérique est une alternative. Ce n'est pas intégré dans le dispositif. Et c'est ça le problème. C'est ce qui est arrivé avec la COVID. La COVID est arrivée, on a essayé de dire, voilà, on va trouver des solutions alternatives avec le numérique. Alors que si on l'avait peut-être intégré à la base dans le dispositif, peut-être ça aurait été beaucoup plus facile. Et aujourd'hui, je pense que c'est peut-être une piste, en tout cas, pour que les acteurs de l'éducation, que ce soit les ministères, les établissements, intègrent le numérique comme une composante à part entière du dispositif. Et évidemment, les États devraient aussi définir une politique globale d'usage du numérique dans le secteur éducatif et de la formation. Parce que, quoi qu'on dise, y a beaucoup d'initiatives, mais il n'y a pas de politique globale. Il n'y a pas de vision, souvent, au niveau de nos États. Une dernière recommandation, c'est qu'on puisse aussi être capable d'anticiper et d'être agile. Et ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure le professeur Laroussi, c'est qu'on puisse anticiper sur les compétences du futur, etc., pour ne pas être surpris aussi, puisque ça va très vite aussi. C'est un environnement où ça va très vite. Maintenant, pour conclure, hein, donc, cher Amidou Kane, notre parrain, que vous connaissez certainement, auteur de l'aventure ambiguë, disait quelques jours après avoir été désigné parrain de l'institution, alors, le numérique, je le cite, le numérique est certainement une des plus grandes transformations de l'histoire humaine, car il nous plonge dans la définition d'un monde nouveau et nous appelle à la formulation d'une nouvelle idée de civilisation. Avec le numérique, les distances disparaissent, les possibilités se multiplient, le champ des possibles devient plus vaste et chaque jour, l'humanité repousse encore plus loin les limites de la connaissance. Fin de citation. L'éducation joue un rôle essentiel dans la transformation socio-économique de notre continent. Depuis des siècles, les salles de classe traditionnelles ont été le cadre principal de l'acquisition des connaissances. Cependant, avec les progrès technologiques rapides de ces dernières décennies, l'enseignement en ligne a émergé comme une alternative prometteuse et incontournable. Aujourd'hui, avec le développement des technologies numériques et particulièrement de l'intelligence artificielle, on en a parlé tout à l'heure, nous sommes en mesure de créer des environnements d'apprentissage efficaces et adaptés aux besoins de chaque apprenant. Madame la directrice, vous en avez parlé tout à l'heure, la personnalisation de la formation. En effet, parmi les opportunités offertes par ces nouvelles technologies, nous pouvons citer l'accès à l'éducation, la personnalisation de l'apprentissage, l'amélioration de la qualité de la formation des enseignants, la réduction des barrières liées à la langue et à la diversité. L'usage des technologies numériques dans l'éducation est devenu une réalité et offre plusieurs opportunités permettant donc d'améliorer l'expérience d'apprentissage, mais surtout permet plus d'inclusivité et une formation tout au long de la vie. Le constat est cependant que ces technologies ne cessent d'évoluer et qu'on n'a pas encore tiré profit de tous les avantages qu'elles offrent. Plusieurs perspectives se dessinent ainsi, notamment l'exploitation de l'IA générative, des systèmes d'apprentissage adaptatifs, des plateformes interactives afin de créer une expérience d'apprentissage personnalisée, flexible et dynamique. Je vais pas aller sur les détails. Cependant, tout en reconnaissant les avantages des nouvelles technologies, elles ne doivent être qu'un outil complémentaire, utilisé de manière judicieuse pour enrichir l'expérience d'apprentissage, d'où l'appréhension que nous avons parfois sur elles. Les technologies numériques présentent l'avantage de rendre nos vies plus faciles et plus pratiques. Elles aident à résoudre des problèmes complexes, favorisent l'innovation pédagogique et l'expérience d'apprentissage, et bien plus encore. Mais peuvent être aussi source de préoccupations,
liées à la fracture numérique, la confidentialité des données, sans compter évidemment cette crainte liée à son usage. Il y a souvent des questionnements liés à la rupture. On parle de la valeur du diplôme. Certains se disent, est-ce que le diplôme qui est fourni dans un enseignement à distance ou numérique est plus est crédible? Il y a des positions, c'est des décisions politiques qui le règlent. Au Sénégal, le gouvernement avait décidé que le diplôme est d'égale dignité, que ce soit en présentiel ou en ligne, mais aussi qu'il soit fourni par le privé ou par le public. Ça a été tranché dès 2012 par l'État du Sénégal et je pense que ça règle un peu le problème. Le rôle de l'enseignant, on en a parlé, mais aussi le modèle d'école de demain. Alors, l'école de demain, est-ce qu'elle sera une école dans la poche avec une tablette juste? Est-ce qu'à l'enseignant, on aura besoin des enseignants tels qu'on les a aujourd'hui? Je pense que c'est une question. Dans 50 ans, est-ce qu'on aura une école? Est-ce qu'on aura besoin de construire des écoles, etc. Donc, il est important de trouver l'équilibre parfait à son utilisation. Mais malgré tout, nous n'avons plus d'excuses, en tout cas pour ne pas prendre notre envol vers cet univers numérique plein de promesses et de possibilités pour une éducation plus inclusive, plus adéquate et continue, qui offre des perspectives nouvelles à des pays comme le Sénégal, qui compte beaucoup, beaucoup de jeunes et donc plus enclin à utiliser le numérique pour contribuer à son développement. Et c'est dans ce sens que notre institution s'est dotée de nouveaux plans stratégiques avec comme vision à l'horizon 2029 être l'université numérique de réussite pour tous, leader dans l'innovation pédagogique et la recherche scientifique, moteur d'un développement durable. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, merci professeur pour cette brillante communication. Donc, nous avons retenu beaucoup de choses, mais on n'aura pas le temps de résumer tout ça. Mais je pense que la communication va être partagée à l'ensemble des participants et également sur les outils, les plateformes de l'IDEP. Comme vous l'avez dit, la transformation du numérique n'est qu'à ses débuts. Donc, ça, je note, ça, c'est un point important. Le thème de l'année 2024 de l'Union africaine, c'est éduquer une Afrique adaptée au 21e siècle. Vous l'avez dit avec l'exemple de l'université Cheikh Amadou Kane, ex-université virtuelle du Sénégal. Nous avons, depuis 2013 à maintenant, vous êtes pratiquement la seconde université après l'université du CAD, donc à recevoir des bacheliers. Je pense que la transformation est en cours. Vous avez également noté les principaux défis et des recommandations que je note, notamment une recommandation forte qui est envers les opérateurs, comment faire en sorte que les plateformes de formation, l'accès à ces plateformes soit au moins dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, soit garanti peut-être à un coût moindre. Donc ça, c'est un élément important. Et vous avez donné une recommandation qui nous a vraiment marqué également sur les questions de la mise en place au niveau des États et des politiques d'usage du numérique dans le système éducatif. Merci beaucoup pour cette brillante communication. Merci. Donc après les communications principales, donc, je voudrais maintenant inviter Madame Suita, qui est la directrice du genre, de la pauvreté et des politiques sociales de la CEA, donc à prendre la parole. Suita, over to you. Thank you so much. Can you hear me? Yes, we can hear you loud and Okay. clear. Great. Wonderful. Wonderful. Thank you so much. Thank you so much, Karima Bakari, to actually invite me for this. I've been listening very keenly on this topic from Professors LaRouche and Lo, Professor Lo. It's been a wonderful conversation so far, and I'm so thankful to you, Karima, for asking me to do this because education is one of the areas we want to pursue. Given that last year when we had our committee meeting, that was how we actually said that we are going to build social contracts using education as a way. So this helped us actually advance on our paper that we've been thinking of writing as well. So thank you so much. So
I just wanted to say, actually, we all go to school, but we have you ever wondered why we go to school, basically? You know, we turn three. And by the way, in this presentation, you'll see all the buzzwords that Karima has used and Professors LaRusso and Professor Lo have used, actually, about, you know, creativity, critical thinking, skills building, partnerships, and, you know, why do we go to school and have education? So you'll find a little bit of it. Let me see if I can do a good job of actually telling you a story. So why do we go to school? From the time we turn three, until we go through school, we don't even blink an eye. We just are programmed to see that we will go to school, right? But have you ever wondered why? Why do we go to school? And I think the reason is basically that education is a cornerstone for personal fulfillment, societal progress, and sustainable development. Now, we believe that education will give us personal fulfillment. It will help us think critically, foster creativity, enhance our problem-solving skills. We will enhance also our social skills by interacting with other students. Curricula taught in schools will make us smart enough to make good choices, even when it comes to things like health and other things in life. Training in some employable skills will help us find a job. It'll increase our productivity, will help with economic growth. And of course, it'll make us a better human being and will help the society at large. So, I mean, like, there are both personal and professional, like, you know, societal benefits coming from it. But when we have to still actually think about it, how did the current education system come about? Our current education system, it came about almost about 100 to 250 years ago during the Industrial Revolution, which was designed to teach future factory workers to be punctual, docile, and sober. And that was for the first time education was provided. Education was provided by the state, and everything that was taught was regimented. Dozens of students at a time, they were placed in a school in a particular class according to their age, and then they moved to successive grades as they mastered the curriculum. They took an industrialized approach to education, which was very impersonal. It was efficient and it was standardized. And this, when you think about that kind of an education system, it was very diametrically opposite to what traditional school systems look like in different parts of the world. So just to give you an example, so for instance, before Africa was colonized, traditional schools were based on oral traditions, practical skills, and a respect for elders. Similarly, I come from India, and actually there we used to have gurukuls in India that taught students math, science, astronomy, and basic life skills, alongside how to live in harmony with nature. So hence, you know, the older system that we had, whether the traditional system you think of in Africa or in other parts of the world, it was holistic, deeply connected to cultural heritage, and intended to equip individuals with practical, moral, and social knowledge to serve their communities. Now, but this is not what we have right now. What we have is the system that came from the West, imposed on the around the world on all the countries. There are certain shortcomings of this system, and I'll get into it. But I would encourage everybody to watch a very powerful TED Talk from 2007. It was Sir Ken Robinson who emphasized that future is unpredictable. And this is from 2007. I mean, like, think about it. It was about 17 years ago. And he argued that children have an extraordinary capacity for innovation. Hence, schools should nurture creativity alongside literacy. And I think we couldn't agree more with what he said at the time. This formal Western education system has produced very good bureaucrats. But for most of the global South, it hasn't done much for promoting innovation and entrepreneurship. So think about it. MDGs emphasized universal education when they came about in 2000. It translated into high school enrollments. We all know that. However, they didn't deliver on the quality we wanted. So that's when SDGs came in and they emphasized quality. That means they included literacy and numeracy as some of the skills. But of course, we go through the usual formal education system. It hasn't been very effective because although school enrollments have gone up, at the same time, children in Africa are at least five times less likely to learn the basics than those living elsewhere, which means millions of our children are living without the skills they need to succeed in life and work. There's also a mismatch between the current education and skills development system and the needs and aspirations of African youth. Many young people feel that their education or vocational skill set do not equip them
them with the relevant competencies for the job market and needs of the 21st century. So for instance, 50% of countries in Africa have computer skills as part of the curriculum. And this stands in sharp contrast to 85% of other regions. And it's not on the slide, but I have to say that our curricula are outdated. We know that history is biased, but what makes learning less effective is that curricula are taught in a foreign language and not in a local one, which students can learn and make and understand properly. And this is a problem around the world. So let's talk about why is education even more important today? So I'm not saying that education is on, it's very important. In fact, it's more important today because it's going to help us solve many problems. So some of the challenges confronting Africa are basically, we all know the four mega trends that we have. So what education can do, it can help solve many of the socioeconomic development problems that are confronting us. But it has to be the right education system. For instance, these are the four mega trends it can help us solve. An education system makes sustainable development its foundation, will help Africa deal with its rapid urbanization, and find sustainable solutions to also deal with climate change. Education is also critical in fostering awareness about climate change and promoting sustainable practices. For instance, a World Bank estimate actually says that an additional year of education increases climate awareness by 8.6%. So incorporating, environmental education into curricula, they can empower students to engage in local solutions, advocate for sustainable policies, and prepare for the impacts of climate change on their communities. And education system, of course, also creates fosters creativity, and that will promote innovation and help Africa ride the technological wave. And of course, youth are our future of Africa, so nurturing their minds to find solutions to African and global problems will only be the icing on the cake, as I would say. So it's time to go back to the original meaning of the word education. By the way, the origin of the word education is from the Latin root, educate. Educare means to lead out or bring forth. It implies that through organized questions, knowledge, understanding, and the potential of children have to be brought out. So think about it. It's more about the word education actually initially meant was to think creatively and to think out of the box and to be to have critical thinking. So now the question is, what are the challenges that Africa confronts right now in terms of education? So we have insufficient spending on education. In the last 20 years, only 18 out of 54 African countries reached the achievement of allocating at least 4 to 6% of GDP to education, a number that's been recommended by UNESCO. Affordability of our education is also an issue. Data finds that over half of adults in Africa are very worried about paying school fees. And 29% name school fees as their biggest financial worry, above medical expenses, paying for old age and monthly bills. Then lack of accessibility. I think it's been talked about earlier actually by other presenters. Only 33% of the population were internet users in 2021. Leaving 871 million people who were not realizing digital dividends. The situation is even worse if you live in rural areas. Then there's insufficient applicability of education. Youth jobs and skills and education mismatches are prevalent in Africa. Results show that 17.5% of employed youth are overskilled. And 28.9% underskilled and 8.3% overeducated and 56.9% undereducated. So there's definitely a skill mismatch in terms of what we are teaching with the kind of skills we teach in school and the kind of jobs that are available. And we started actually using a new term. I recently found out when I was doing research about Africa's youth quick. No jobs, the wrong skills and little hope. And that's not where we want Africa to be. And lastly, outdated curricula. I mean, like given the low level of student achievement at all levels, curricula and teaching methods need to evolve towards a more significant application of knowledge and develop programs that value critical thinking, as other speakers have talked about, reflection and initiative. So how do we think of the future of education in Africa? So let me actually narrate a future of of education in Africa through some of these words. Envision how learning will adapt to meet the changing needs of society, technology, and the workforce. Focus on lifelong learning, and other speakers talked to that
Perfect. Emphasize on skills for evolving workforce. Promote equity and access. Rethink assessment and achievements. I don't think the kind of testing systems we have actually do justice. Integrate mental health and well-being. Foster creativity through a revamp of curricula that place more emphasis on critical thinking. Imagine a world where learning is accessible, inclusive, flexible, and designed to help individuals thrive in a complex and interconnected world. Empower children to be informed, adaptable, and compassionate contributors to society, and tailor education to build on students' strengths. So here we can use technology. I mean, there are different ways we can use technology. And let me actually talk about a couple. So what's the role of technology in this future that I'm talking about? Now, technology is it can influence our personal fulfillment because technology is said to play a transformative role in the future of education, bringing about new ways of learning. So it's preparing students for a rapidly changing world. It can help with personalized learning. It can also help develop skills for the future workforce, and it can enhance collaboration and global connectivity. So these are for our personal as a personal fulfillment. But it can also technology can also impact the societal progress. How can it do it? By being inclusive, technology can bridge some divides. Education can be made more accessible through the use of digital platforms. You can learn whether you are in a rural area or in a city, and of course, as others have talked about, this requires investment in digital infrastructure as well. But it can be sustainable. With the low marginal cost of providing online education, it can be made more affordable. And lastly, it can fit for purpose. Curricula could be tailored to the specific needs for developing skills to each student, and hence applicability of the education system can be enhanced. So technology in education will keep closing gaps and fostering more engaging learning environments. Equipping students with the skills necessary for a successful future. The challenge will be ensuring equitable access to these advancements for all students. So, yeah, let me actually talk about how can technology deliver inclusive, sustainable, and fit-for-purpose education. So, I'll go through a couple of these examples from the Global South, which can inspire solutions. So, one is on affordability. Ghana, Nigeria, São Tomé and Príncipe, Mozambique, and Gambia, they all have taken actions to make the internet service more competitive, fostering public-private partnerships for a better risk sharing, and getting better prices for digital services, favoring the low-income households through affordable internet services. So you can actually make digital services more affordable. That means if we can provide use technology to deliver education, it can be more affordable to everybody. It can be made more accessible. So on the other side, reducing the digital accessibility gap between rural and urban population has been at the center of policies in countries like Kenya, Nigeria, and India. For instance, Nigeria launched a DigiLearns under the Aid for Rural Education Access Initiative to tackle the pervasive issue of learning poverty in rural area communities. Many students miss out on quality learning experiences because they cannot afford textbooks, because of lack of internet access, because they don't own smartphones. So this particular initiative, DigiLearns, leverages basic features of phones to make learning accessible for students from low-income families and underserved groups. In addition, it provides digital device for low-income families. Similarly, Kenya's digital learning program provides tablets to primary school students, improving digital literacy and access to educational content. In a similar way, India's Diksha platform uses an online resource platform for teachers and students, offering a wide range of digital content in multiple languages. And if we don't know, India has officially, I think we have 25 languages, and these are not even dialects. I mean, like these are our actual languages. So it can help in countries where they do speak different languages. And it has reached millions of users, significantly enhancing educational access and quality. Lastly, we can actually improve the applicability. So we need to make education fit for purpose. As I talked at the beginning, why are we getting education, right? We need to build some skills in order to be able to get jobs and be a better Samaritan in society and everything. So in countries like Benin, South Africa, and Ghana, they are exploring innovative ways to combine practical training with digital skills training. So in Ghana's Design and Technology Institute,
a private TVET institute, young women and men are requiring practical hands-on experience and soft skills to produce and market high-quality goods and services. In a government-sponsored innovation campus for technical and vocational training in Benin, higher education aims to accelerate the creation of new business, transferring moderate and advanced digital skills such as design software, 3D printing, and other digital tools. In Ethiopia, here, where we are based in Addis Ababa, the government is supporting vocational training within industrial and technology parks to transfer new competencies and create jobs. So these are some of the examples I just gave, which can teach us that education and digitalization can support each other. And they can support each other in overcoming the barriers that come from lack of access to internet and equipment, high cost of digital services, and mismatch between education systems and economic activity. So I'll just go over the very last one. So what are the key actions to unleash this human ingenuity in the digital age? From the experience in the African countries, we can make the following recommendations. Blended learning models, you know, combine in-person instruction with online resources to enhance learning experiences for children. This hybrid model can address varying needs and learning paces, accommodating students from diverse backgrounds. Then comes to training, invest in training educators to effectively use digital tools and integrate technology into their teaching practices. This can enhance the quality of education and foster innovation in classroom. Digital, integrate digital literacy and skills training into the curriculum to prepare students for a technology-driven job market. This includes coding, data analysis, and basic IT skills. Data-driven decision-making. Utilize data analytics to assess educational outcomes and identify areas for improvement. This helps tailor educational programs to better meet the needs of learners. Community engagement. Involve local communities in the creation and dissemination of digital contents. This ensures that the material is culturally relevant, and it also meets the specific needs of learners. And form partnerships with tech companies, NGOs, and educational institutions to pool resources, expertise, and technology. These collaborative efforts can amplify impact and broaden the reach. And last but not the least, we can recall the importance of sustainable practices to promote the use of renewable energy sources for powering digital devices in schools, especially in rural areas, that can ensure continuity and sustainability in technology use. Thank you so much. Merci beaucoup. Over to you, Bakar. Thanks. Merci. Merci beaucoup. thank you very much for this presentation. Very instructive. You know, we learned that education can generate individual and societal benefits as we are in the second 10 year implementation of Agenda 2063. This education is indeed a response, you know, for Africa to transform, to build the human capital necessary for its transformation. Education can help Africa with the mega trends. That is a very important statement that we'll have to, you know, based on this, I think the presenter that will come, you know, will address a specific issue, a mega trend, which is on environment, how to finance, it's environment, society, and governance. To be the schema and business school, you know, this to say all the presentation I link. Thank you for presenting the solution, some of the solution already undertaken in Africa and in the global south. Professor Low was saying that we need there is specific action needed from internet providers, and you are telling us some countries. Are providing solution on how to make education affordable, accessible, and applicable. Thank you very much. So now let me invite Professor Dafe Saidan and Professor Sana Ben Abdallah. Both professor at the Schema Business School to come in for their presentation. What educational approach to be ready for the big changes? Over to you. Thank you.
Thank you, Mbakari. I don't know if you see my slide. I try to share it. Yes, we can see the slides. Okay. Well, I will switch in French. Probably it will be better and easier for all of us. Merci beaucoup. Merci, Karima. Pour cette invitation, Bakary également, et vraiment, c'est un immense plaisir que de partager avec vous notre expérience d'éducateur, de professeur, en fait, avec ma collègue Sana Ben Abdallah de l'Université de Sfax. En fait, Le son, un instant, s'il vous plaît. oui. Donc, le son est un peu difficile à. On ne vous entend pas 5 sur 5. Ok. Peut-être vous vous rapprochez de votre micro. Je vais Est-ce que switcher. vous avez choisi de commencer par le slide 4 ou C'est bien? ça, c'est ça. C'est pour gagner Okay. du temps. D'accord, merci beaucoup. À vous. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, on vous Oui. entend mieux. Bien. Alors, je disais donc que ce que nous allons faire, c'est en fait une illustration qui va porter sur comment tirer parti des technologies numériques pour former à la finance durable. Donc, c'est un cas. En case studies, en quelque sorte, hein, donc comment on va utiliser ces technologies. Donc, ceci s'appuie sur des initiatives, j'allais dire un peu pionnières, que nous avons développées notamment à l'université de Sfax avec ma collègue Sana Ben Abdallah, mais aussi à Schema Business School, des initiatives pionnières, notamment dans le lancement d'un master spécialisé en finance durable et digitalisation. Et aussi grâce à une dynamique autour de l'Observatoire africain de la finance durable. J'insiste sur un point, un mot-clé pour moi qui est fondamental, c'est la multidisciplinarité, ce que les collègues ont déjà évoqué précédemment. Lorsqu'on parle de multidisciplinarité, j'aimerais être beaucoup plus précis, je parlerai d'hybridation. D'hybridation, hybridation des cours, des enseignements, c'est-à-dire si on prend le cas, par exemple, de l'enseignement de la finance durable. Et le slide que vous avez en face va être assez éloquent dans un instant. Lorsqu'on parle de finances durables, on a besoin dans les cours de d'hybrider en fait les data users, hein, qui sont les financiers, et les data scientists. On ne peut pas avancer, je veux dire, dans le domaine de l'éducation à la finance durable si on ne couple pas les deux compétences. Et cette hybridation, on la retrouve également dans le domaine de la recherche, comme nous l'avons pratiqué nous-mêmes durant ces dernières années. Alors, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple. Le problème, c'est le problème de l'Anthropocène. L'Anthropocène, notamment par rapport au continent africain, on constate que l'Afrique est face à des enjeux écologiques, des enjeux en termes de transition écologique qui sont très, très importants. L'Anthropocène, c'est. Pour ce, pouvez-vous, Oui. les interprètes ont du mal à vous entendre. Est-ce que vous pouvez Attendez. vous rapprocher davantage du micro? Alors, Nous écoutez, faisons. je vais essayer de changer de micro. Alors, mais je n'ai pas la main sur. Attendez, je vais essayer. Voilà. On va faire comme ça. Et. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, vous m'entendez? Voilà, on vous entend mieux. Oui. C'est bon, les interprètes? Ouais, je suis avec le Jabra, donc je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Voilà. C'est très bien maintenant. Voilà, très Allez-y. bien. Alors, je disais donc que l'Afrique est confrontée à un problème auquel il faut lui donner un nom. C'est l'Anthropocène. L'Anthropocène, à savoir que le moment où l'activité humaine a commencé à impacter négativement l'écosystème, l'environnement écologique. Et ce qu'on constate, c'est que cet Anthropocène a commencé avec la révolution industrielle, aux alentours de 1850-60. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 35 milliards de tonnes d'émissions de CO2
comparé à, au début, c'est-à-dire l'Holocène, où il y avait pratiquement zéro émission de carbone, c'est-à-dire aux alentours de 1750. Bien. Alors, la question qui est posée, c'est l'Afrique est-elle concernée par ce phénomène d'anthropocène? L'Afrique n'est-elle pas encore en période d'Holocène? Voyez. Donc, il y a un problème qui est posé. Où se situe l'Afrique en termes métriques, j'allais dire, par rapport à cette problématique? Et donc, lorsqu'on regarde les chiffres qui sont évidemment communiqués, on s'aperçoit que l'Afrique, en fait, est face, je dirais, à une injustice climatique. Le continent africain n'est pas concerné véritablement par les émissions carbone, puisqu'il ne contribue qu'à 3% des émissions globales, mondiales. Donc il y a une injustice climatique face aux pays justement émetteurs, fortement émetteurs de carbone, et ceci d'autant plus que, selon le FMI, très rapidement, le continent est en train de perdre entre 7 milliards et 15 milliards par an dû au changement climatique, dû aux problématiques de la hausse de la température. Et cette hausse de la température, selon certaines études récentes, montre qu'une hausse de 1 degré peut conduire à une baisse de 10% des revenus par tête à long terme. Donc, il y a véritablement un problème très important, qui est en train sans doute d'appauvrir le continent, et ceci nous oblige en fait à aller vers ce qu'on va appeler la métrique. Comment mesurer où on en est, quels sont les tableaux de bord qu'on peut mettre en place, notamment pour évaluer les besoins en investissement dans les technologies numériques qui vont nous aider à mesurer, à résoudre ce gros problème de la transition écologique. Et donc, la question de base, c'est comment hybrider, justement, en matière de recherche, en matière d'éducation, d'un côté, les données financières et de l'autre côté, les technologies numériques qui vont nous permettre de mettre en place ces tableaux de bord. Comment hybrider, comment contribuer à une finance plus durable qui concilie technologie et problématique telle que je viens de l'exposer, et ça c'est une partie de la problématique, quel outil numérique pertinent adapté pour mesurer notre progrès en matière de durabilité sur le continent africain, c'est là où je donne la parole à Sana Ben Abdallah, ma collègue, pour illustrer justement cette approche au plan pédagogique et au plan recherche en vous présentant un outil que nous avons mis en place grâce notamment aux encouragements de l'IDEP et aux nombreux échanges qu'on a eus avec Madame Karima Bounemra, que je remercie, cet instrument qui permet véritablement de mesurer, voilà, de mettre en place une métrique qui, nous le pensons, est pertinente, et c'est une modélisation robuste qui s'appuie sur des algorithmes assez robustes. Et donc, je donne la parole à Sana, peut-être pour passer à la partie illustration. Merci beaucoup. Merci de me donner la main pour partager mon écran. Merci d'arrêter le partage d'affaires. Voilà. Donc, merci. Alors, dans cette partie, je vais présenter notre outil. Donc, on a utilisé la technologie au service de développement durable. Voilà, donc le SPI. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ça vient. OK, nous voyons l'écran maintenant. Très bien. Donc, dans cette partie, comme j'ai mentionné, je présenterai brièvement le SPI ou le Sustainable Performance Indicator ou indice de performance durable, qui est un indicateur synthétique qui mesure le degré de durabilité d'une organisation, que ce soit une entreprise, institution, collectivité locale, ONG aussi, et d'autres. Il intègre toutes les dimensions de la durabilité, environnementale, sociale et de gouvernance, ainsi que les intérêts, des différentes parties prenantes. En fait, le SPI, aide les organisations, africaines aussi
à définir une stratégie pour améliorer leurs actions ESG. Voilà. Donc, en fait, l'indicateur donc a évolué et a diversifié son usage au fil du temps pour devenir aujourd'hui un outil technologique à la fois stratégique et pédagogique pour nos institutions africaines. L'OSPI a commencé par des recherches et des publications académiques depuis plus de 10 ans, donc avec professeur Seydan, qui ont posé les bases d'une nouvelle approche pour mesurer la durabilité. Nous avons constaté que l'OSPI pouvait devenir un outil pratique et précis pour mesurer la performance durable. Il a ainsi évolué pour offrir aux organisations un cadre de référence permettant d'évaluer et de renforcer aussi leurs engagements en matière de durabilité. Et aujourd'hui, il est devenu un outil pédagogique. Il est utilisé dans le cadre de nos cours pour former les étudiants, par exemple du MSI Sustainable Finance and FinTech à Schema, des étudiants du master Finance Durable à l'Université de Sfax et d'autres, et même aussi pour former les managers et les autres parties prenantes à la mesure d'impact ESG. Donc, je présenterai brièvement donc la plateforme. Donc, voilà la page d'accueil. On utilise on interroge les différentes parties prenantes d'une organisation, par exemple une entreprise africaine qui a une liste de parties prenantes dans lesquelles les clients. Donc nous avons différents critères et sous-critères ESG, environnemental, social et de gouvernance. Si on va prendre l'exemple de la dimension gouvernance, par exemple, nous avons la conformité aux normes éthiques et environnementales avec plusieurs critères et chaque partie prenante, elle va donc donner son avis par rapport à la stratégie ESG de l'entreprise. Si on prend l'exemple du taux de conformité des services fournis aux normes éthiques et environnementales, par exemple, on va poser la question à la partie prenante client si elle préfère une valeur élevée ou non de ce critère. Donc, dans ce cas, elle va répondre par oui, puisque plus le taux de conformité est élevé, plus la partie prenante est satisfaite. Et après, à partir de la deuxième question, on propose des valeurs donc à la partie prenante sous forme des itérations en fait pour voir le niveau des satisfactions par rapport à cette valeur. Et après la partie prenante, elle peut pondérer les différents critères et dimensions selon leur niveau d'importance. On répète en fait la même procédure pour les différentes dimensions et critères et finalement on calcule un score par partie prenante qui reflète la satisfaction de la partie prenante par rapport à la stratégie ESG de l'entreprise ou bien de l'organisation. Par exemple, ici, on a trouvé un score de 70,14%. Ce score montre que les clients sont globalement satisfaits par rapport à la stratégie ESG de l'entreprise. Mais il reste une marge d'amélioration pour atteindre un niveau de satisfaction encore plus élevé. Donc, la même démarche est appliquée pour les autres parties prenantes. On peut ajouter d'autres. Et finalement, on peut calculer un score global qui reflète la performance durable de l'organisation. Voilà, donc merci de votre attention. Merci beaucoup, professeur de Schema, pour cette présentation. Et je pense que cette présentation s'inscrit parfaitement dans le thème du jour, parce que vous avez mis l'accent sur la question de l'utilisation des technologies de l'outil numérique dans ce sens, et cela est encore plus parlant maintenant que nous sommes à la COP 29 qui se déroule actuellement à Bakou en Azerbaïdjan, donc sur la question de l'environnement. Vous l'avez dit,
que l'Afrique n'impacte pas beaucoup en termes d'activité humaine sur l'environnement. Mais bon, nous recevons en même temps que tous les humains l'impact de l'anthropocène, comme vous l'avez indiqué. Donc, nous notons que votre outil est un outil pertinent en termes d'environnement, société et gouvernance, ESG, et qui peut être vraiment appliqué. Donc, c'est en même temps une réponse à ce que le professeur Lowe disait tantôt, notamment, donc l'université Cheikh Hamidou Kane s'est adaptée pour pouvoir, à un certain moment, donc accueillir des étudiants qui n'étaient pas forcément au niveau scientifique. Merci beaucoup. Donc, nous avons quasiment à la fin. Nous allons quand même donner du temps pour les questions de discussion. Et je voudrais donner la priorité donc à nos invités, donc les ambassadeurs, qui nous ont rejoints pour dire quelques mots. Nous avons l'ambassadeur du Maroc et nous avons également l'ambassadeur du. Oui, donc on a des représentants des ambassadeurs du Maroc, du Zimbabwe et également de la Tunisie. Si vous avez quelques mots à dire, merci beaucoup à vous. Donc, je commence par la Tunisie. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier l'IDEP pour cette invitation qui nous ravit chaque mois de rencontrer le compatriote Madame Karima Bounem, Madame Mounella Roussi. De deux, l'importance de l'éducation comme thème essentiel et thème majeur pour ce séminaire tient son importance à ce que je peux qualifier de. C'est une question existentielle, l'éducation en Afrique et les nouvelles technologies. Mais peut-être, bon, je ne suis pas trop, comment dire, trop impliqué et trop dans le détail de ces sujets, mais Madame Bounemra avait mentionné que la priorité, c'est l'éducation, l'éducation et l'éducation. Et est-ce que le défi, c'est le défi majeur de cette éducation, ce sont les nouvelles technologies. Comment adapter les nouvelles technologies pour l'éducation? Le problème qui se pose à mon niveau, et selon ma propre expérience à travers la Tunisie ou bien d'autres pays que j'ai pu visiter, c'est que c'est bien de réfléchir sur les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle. Mais je pense qu'il y a un gap immense entre des aspirations, entre parenthèses, élitistes que certains organismes internationaux ou bien même régionaux essaient d'imposer ou bien essaient d'aider, entre parenthèses, les États à mettre en place des nouvelles approches sur la base des nouvelles technologies et tout. Et le concret, récemment, avec les événements, avec les conditions climatiques un peu spéciales qui ont touché des pays Afrique, l'Afrique de centrale, l'Afrique de l'Ouest, on a des centaines de milliers d'étudiants, des élèves qui n'ont jusqu'à maintenant n'ont pas pu joindre les bancs d'école. On parle des bancs, on ne parle pas de nouvelles technologies. Le strict minimum n'existe pas dans certains pays africains, malheureusement. Dans un pays que je ne vais pas citer, ils ont lancé l'éducation avec les tablettes et tout, tout, tout. Mais le problème, il y a des gamins qui n'ont pas d'électricité pour charger leur tablette à la maison. C'est bien de regarder de devant et essayer d'adapter les nouvelles technologies pour l'éducation, mais malheureusement, dans plusieurs pays, mais même dans le pays assez développé par rapport à d'autres dans le continent africain, il y a des difficultés à mettre en place ces programmes et tout. Je ne veux pas dire qu'on doit s'arrêter
et cesser d'organiser ou bien de réfléchir à améliorer la qualité de l'éducation, mais il faut comment dire, subvenir aux besoins essentiels, primitifs, avant de se lancer dans les programmes de nouvelles technologies. Parce que le gap existe et avec ce genre de programme, ce n'est pas tous, bien sûr. Peut-être le gap va s'accentuer et il sera plus difficile pour les pays de rattraper les différents niveaux d'éducation dans leur pays. Je vous remercie. Merci vraiment pour cette contribution importante. Nous avons des défis, défis d'accès à l'électricité, qui est un défi important. Donc, nous avons également dans les pays, peut-être comme vous l'avez pas indiqué, mais comme le Sahel, avec les crises et tout ça, il y a beaucoup d'écoles qui restent fermées. Et tout ça, comment un peu adresser ces défis qui sont là, qui sont récurrents, et au niveau des aspirations du futur. Merci beaucoup. Donc, représentant du Maroc. En complément de ce que vient de dire mon collègue, c'est l'accès à l'Internet. J'ai vu sur les statistiques que l'utilisation de l'Internet dans le monde urbain, c'est juste 47% et dans le monde rural, 27%. Donc, si on parle des nouvelles technologies, on a besoin de l'Internet. C'est essentiel. Donc, faudrait-il pas au moins assurer l'accès à l'Internet entre les pays africains avant d'accéder à l'utilisation des nouvelles technologies. Et deuxième point, s'il vous plaît, c'est concernant le gap entre les pays africains anglo-saxons et les pays africains francophones. On remarque que les pays anglo-saxons, africains anglo-saxons sont plus avancés que les pays francophones. Et donc, ça se pose aussi un problème d'égalité, peut-être, surtout dans les projets de l'Union africaine concernant la ZLECAF, par exemple, et l'agenda de 2063. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce complément. Accès à Internet. Vous voulez faire l'éducation numérique, c'est un bon au niveau rural. Hein, professeur, il y a des questions qui vous interpellent. Au niveau rural, donc il faut accéder à l'Internet, il faut accéder à l'électricité pour charger, etc. Je pense que c'est des questions importantes. Zimbabwe, do you have a question? Merci. Merci beaucoup. Donc voilà, il y a des questions qui ont été. Je ne sais pas si en ligne, il y a une ou deux questions qu'on peut prendre, parce que je pense que nous sommes légèrement de là, parce que nous avons commencé avec une quinzaine de minutes de retard, donc nous sommes quasiment à la fin. Donc, Mathieu, il y a quelqu'un en ligne qui veut. Non? Voilà, donc je vais repasser la parole maintenant aux panélistes. Je passe la parole aux panélistes, au professeur, en commençant par professeur Mouna. Vous avez, voilà, pour votre intervention, ensuite le professeur Lo et donc le professeur de Schema et Suita, si elle est encore avec nous, parce OK. qu'elle a une réunion tout à l'heure. Moi, je vais enchaîner sur vos statistiques si on garde ça, 27%. Je vais vous dire que 1% des écoles sont connectées en Afrique, 1%. Mais pour moi, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler sur le numérique. Et loin de là. Sur nos programmes, on a mis en place des tablettes avec de l'énergie solaire. Je n'ai pas pu vous montrer. Moi, je pense qu'il faut mettre en place du numérique solidaire. Nous avons pris en place ce qu'on appelle des Raspberry Pi 4, où on peut mettre des téraoctets de données. Et sur ces Raspberry Pi 4, on n'a pas besoin d'Internet, on met ça dans les salles de classe et tous les élèves ont accès à ça. Et surtout, le prof, il a accès à des vidéos qu'il peut illustrer ses infos. C'est-à-dire que quand le numérique n'est pas là, une des questions de recherche et une des questions fondamentales, comment on peut remédier l'absence du numérique par une autre technologie qui peut faire l'affaire? On l'a fait à l'IFEF, on a ce qu'on appelle des accès asynchrones à des documents. On a installé une LMS, un Learning Management System, et les enseignants ont accès offline sur les téléphones. Donc, ils vont télécharger, ils ont un accès offline, ils font les exercices et ils peuvent synchroniser. C'est-à-dire que quand il n'y a pas Internet, on ne croise pas les bras et on doit travailler là-dessus.
sur le fait que les écoles, ils ont eu un problème d'inondation ou n'importe, la COVID, on l'a mis. Si on n'est pas prêt quand il y a des pandémies, quand on a des problèmes, on ne peut pas être prêt au moment de la pandémie ou au moment des inondations. Donc, il faut qu'on mette en place toute la technologie pour pouvoir avoir accès à Internet quand il n'y a pas Internet. J'ai oublié de mentionner un projet que nous menons avec l'IDEP et qui est très important. On a parlé de l'éducation, mais très, très souvent, on ne parle pas de la formation professionnelle, malheureusement, alors que le salut de l'Afrique sera dans la formation professionnelle. Ça permettra à des jeunes de ne pas traverser la Méditerranée ni le Sahara pour aller en Europe, et ça leur permet surtout de rêver et de pouvoir rester chez eux. Et dans le cadre de ce problème, de cette formation professionnelle, avec l'IDEP, l'UNESCO, la BAD et d'autres partenaires, l'Union africaine également, nous avons un projet de numérisation de la formation professionnelle et technique. Donc, nous formons les cadres du ministère à l'introduction du numérique dans la formation professionnelle en mettant en place des stratégies. L'IFEF assure le secrétariat de ce projet. L'IDEP accueille le projet en lui-même. Et on travaille justement pour permettre à des jeunes d'être formés sur les métiers du numérique et de pouvoir trouver un emploi chez eux. Et donc ça, c'est aussi un projet qui peut être un fédérateur et qui peut intéresser plusieurs personnes pour justement être dans les nouveaux métiers. Donc moi, je m'arrête là. J'ai juste répondu un peu à vos questionnements pour ne pas aller. Merci beaucoup. Je pense que c'est des réponses très pertinentes. Oui, exactement. Sweta, are you online? Let me give the floor to Sweta for 1 minute if you're online, and then we come back to Professor Lo. Can you take the floor if you're online? Are you online? OK. Donc, elle doit être partie. Professeur Lo, vous avez 2 minutes. Ensuite, on passera au professeur du schéma. Merci. D'accord, merci beaucoup. Je vais essayer de réagir très rapidement. Alors, je vais peut-être aborder la question sous deux angles. La question des besoins primaires des populations. Moi, je me pose la question aujourd'hui, est-ce que, par exemple, lorsque c'est parce que les familles sont pauvres, ou bien est-ce qu'on a une question liée à la famine, des catastrophes naturelles, est-ce qu'il y a en période de guerre, est-ce que ça doit nous empêcher, par exemple, d'amener les élèves, les enfants à l'école? Je ne parle même pas du numérique. Voilà. Donc, pour moi, déjà, à ce niveau-là, il y a des choix à faire. Maintenant, quand on dit numérique, forcément, l'un des défis, je pense que nous l'avons tous dit, c'est l'infrastructure. Et c'est effectivement une invite aux différents États, je pense, en tout cas, d'investir dans les infrastructures pour permettre le développement du numérique. Si je prends l'exemple de l'université de Cheikh Ahmadou Kane, l'État du Sénégal a fait un choix. En orientant un bachelier à l'université numérique, l'État lui donne un ordinateur portable et une connexion Internet mobile avec un forfait pendant toute l'année. Et ça, je pense, c'est une volonté politique. Dans d'autres pays, ce n'est pas forcément le cas. Voilà. Donc, c'est juste pour dire qu'en fait, je pense qu'il y a une question de choix que les États doivent faire. Maintenant, en dehors de cela, il faudrait, nous aussi, en tant que techniciens de l'éducation, qu'on puisse aussi proposer des solutions alternatives. Lorsque la connexion Internet n'est pas disponible, quelles sont les alternatives qu'on propose? Voilà, je pense que Mona en a parlé tout à l'heure. Il y a certainement il y a beaucoup d'alternatives qui s'offrent à nous. Voilà, donc pour dire que, en tout cas, moi je pense que les difficultés ne doivent pas nous empêcher de nous projeter, puisque aujourd'hui nous n'avons pas le choix. Le numérique est là, et il faut y aller. Et ça reste un outil, ça je le rappelle aussi, ça reste un outil. Tout dépend de ce qu'on va en faire aussi pour pouvoir résoudre des problèmes. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci. Peut-être un point. Il y a beaucoup de personnes, il faut différencier le numérique de l'Internet. L'Internet n'est pas égal au numérique. On peut faire du numérique sans avoir d'Internet. Et voilà, le numérique n'est pas Internet. Et Internet n'est pas que numérique. Voilà, c'est aussi les deux concepts qu'il faut vraiment dissocier. On peut faire. Ben, on peut faire. C'est parfois, tu n'es pas connecté à Internet et tu peux voir tes images. Ça, c'est du numérique. Merci beaucoup. Je pense que Voilà. les questions étaient fort pertinentes, donc on menait
à ce débat fort enrichissant. Donc, c'est important. Il y a des alternatives, il y a des possibilités qu'il faut faire. Donc, il y a des exemples qui ont été montrés. Mais voilà. Donc, je donne la parole maintenant au professeur Saïdan et au professeur Ben Abdallah. 2 minutes pour votre intervention avant de donner la parole à. Si vous avez quelque chose à ajouter, avant de Oui. donner la parole à Merci. la directrice Karima pour la conclusion. Merci. Merci, je serai très très bref. Ces débats sont très très inspirants et je vous remercie. En fait, j'aimerais insister sur un premier point, c'est la réglementation internationale. La réglementation internationale en matière de développement durable, de finances durables, la CSRD, la SFDR, aujourd'hui l'Union européenne est en train de faire pression sur nos pays pour justement être au diapason, pour engager, nous engager dans cette double transition numérique et écologique, écologique surtout. Donc notre éducation, notre système éducatif, nos enseignements ne peuvent pas rester neutres, insensibles à cette pression internationale qui est énorme, énorme. Et nous avons commencé, je répète, à l'Université de Sfax, d'agir dans ce sens. Pourquoi? Parce que automatiquement, elle va peser sur nos exportateurs, hein, pour être très très clair. Donc, elle va toucher le cœur du réacteur de nos économies. Deuxième point, et je m'arrête là, c'est la. Merci encore, je tiens à remercier le professeur Moussa Lo d'avoir pointé du doigt un problème très très important, fondamental, dont on souffre dans nos pays en Afrique, c'est l'indisponibilité de la data, l'indisponibilité de l'information, des bouquets bibliographiques, des bases de données qui coûtent très très cher. Et si on veut faire de la recherche pertinente et une éducation pertinente, il faut qu'on puisse avoir accès à cette information, à cette matière première importante. Il faut qu'il y ait une disponibilité, peut-être une gratuité de la data pour les pays pauvres, pour réduire le gap scientifique et le gap pédagogique. Sans cela, on ne pourra pas avancer. Je laisse Sana Ben Abdallah peut-être compléter si elle a autre chose Merci. Merci à vous tous. Donc, juste, j'ai deux points. J'enchaîne. Je veux aussi insister sur l'éducation de futurs spécialistes en durabilité et en technologie, en fintech. Donc, ce qu'on est en train de le faire à l'université de Sfax aussi, à travers les masters en durabilité, en fintech, etc. Et aussi, comme a mentionné le professeur Sidane, la technologie nous aide à collecter la data, les données, ce qui est très important en fait pour améliorer notre continent, hein, que ce soit nos entreprises en matière ESG et durabilité, que ce soit les individus en général. Donc l'éducation, je pense qu'on doit mettre l'accent sur l'éducation de la génération future. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, à tous les présentateurs pour cette excellente, ces échanges qui ont été vraiment excellents dans toutes leurs formes et aux questions fort pertinentes qui ont été posées. Donc, nous sommes quasiment à la fin de cette séance. Nous avons appris beaucoup, beaucoup de recommandations. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Madame Karima Bounemra Ben Sultan, la directrice de l'IDEP, pour voilà, tirer les dernières conclusions et clôturer la séance. À vous, Madame Karima. Merci, maître de cérémonie. Je voudrais d'abord remercier nos participants pour leurs commentaires, leurs questions. J'aurais souhaité voir davantage de commentaires en ligne, mais pour nos personnes, les participants en ligne qui souhaitent réagir. Puisqu'on a beaucoup parlé de synchrone et asynchrone, qui souhaitent réagir après le séminaire, nous avons leurs coordonnées et nous répondrons à leurs questions, à leurs commentaires, ou bien nous solliciterons les panélistes qui sont concernés si nous-mêmes ne pouvons pas apporter de réponse. En fait, j'ai écouté avec intérêt les commentaires de nos ambassades et je pense que le but
pour nous d'avoir ce dialogue avec les ambassades. L'IDEP a toujours été un think tank. Mais si les gens qui réfléchissent s'enferment dans une salle et réfléchissent tout seuls, le rapport au développement de nos pays est marginal. C'est la raison pour laquelle nous avons institué cet échange avec vous, avec les représentants des ambassades, pour que vous nous rappeliez à l'ordre, pour que vous nous disiez, d'accord, c'est bien d'avoir de grandes idées, mais voilà la réalité de nos pays, notre pays, nos pays respectifs ou les pays que nous connaissons au niveau du continent, et faites en sorte que vos réflexions tiennent compte de cette réalité et soient beaucoup plus réalistes. Donc, c'est la raison pour laquelle nous vous invitons et nous avons institué ces échanges. Et donc, merci de vos commentaires. Toutefois, si vous le permettez, la question qu'on doit se poser après 60 ans d'indépendance, que doivent se poser nos pays, est-ce qu'on doit avoir les ambitions de nos moyens ou est-ce qu'on doit se donner les moyens de nos ambitions? Je pense que nos décideurs ont une responsabilité vis-à-vis de leur population. Je pense que nos décideurs ne peuvent pas se permettre qu'au moindre coup de vent, qu'à la moindre pluie ou qu'à la moindre sécheresse, nous faisions face aux désastres que nous connaissions, que nos populations prennent leurs valises quand ils en ont ou leurs baluchons et mettent leur vie en péril pour quitter les conditions qui existent chez eux. Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, quand on parle de compétitivité, quand on parle depuis des décennies de villages planétaires, nous permettre que nos enfants, nos jeunes et nos adultes ne soient pas capables de produire du contenu sur les réseaux, ne soient pas capables de postuler pour des formations à distance, ne soient pas capables de... comment on dit patent? Pardon, je ne trouve plus mes mots en anglais. Patent? Hmm? Pour les copyrights, les patents, Non. Des brevets, merci. Ne soient pas aujourd'hui la source de brevets alors qu'on parle de diversification des économies, alors qu'on parle d'industrialisation, alors qu'on parle, et nous, avec toutes les côtes que nous avons, d'économie bleue, d'économie verte, etc. Donc, je pense que nous ne pouvons pas nous permettre de laisser que nos ressources limitent nos ambitions. Et je vais vous donner un exemple très, très concret là-dessus. La CEA, donc notre institution mère, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, a lancé il y a presque 30 ans maintenant, 28 ans exactement, quelque chose qui s'appelle l'Initiative africaine pour la société de l'information. AISI en anglais, puisque tout le monde la connaissait sous l'acronyme anglophone, African Information Society Initiative. Et nous avons présenté cette initiative et l'intérêt et son impact potentiel sur l'accélération, pas sur le développement, sur l'accélération du développement à nos différents pays. Et les pays, évidemment, ont tous, sont tous à des niveaux, étaient tous à l'époque à des niveaux de développement différents. L'un des pays, et c'est un exemple que je donne de manière récurrente, l'un des pays qui a répondu à la CEA, c'est le Rwanda. Le Rwanda sortait de son génocide et donc d'années terribles. Le Rwanda était en train de reconstruire un pays. Lorsque nous avons appelé les partenaires pour nous aider à appuyer le Rwanda, les partenaires ont souri en disant « À la CEA, vous êtes des naïfs,
Est-ce que vous pensez que le Rwanda aujourd'hui n'a pas d'autre priorité que de passer au tout numérique? C'est un pays à complètement reconstruire. En même temps, la division que je dirigeais, effectivement, a aidé le Rwanda à reconstruire tout son système statistique qui avait été complètement détruit par les années de conflit. Quand on regarde aujourd'hui où est le Rwanda en termes d'utilisation du numérique et où sont d'autres pays qui, à l'époque, étaient beaucoup plus avancés et avaient des élites qui auraient pu prendre les décisions et faire les investissements, on voit la différence d'approche et de posture. Et donc, je suis convaincue que si on met notre niveau d'ambition très haut, on peut, avec une volonté, avec des formations, le Rwanda a beaucoup formé, se donner les moyens de ses ambitions et passer outre les problèmes de coupure électrique, parce que le Rwanda avait des problèmes de coupure électrique, avait même des régions où il n'y avait pas du tout d'accès à l'électricité, etc. Et donc, c'est un peu la raison pour laquelle j'avais demandé, en fait, nous n'avons pas choisi pour cette plateforme et ce dialogue, je veux dire, excusez-moi de l'expression, n'importe quelle université, mais l'université virtuelle pour montrer que les choses peuvent se faire. Il y a des coupures de courant au Sénégal. Il y a un problème de différence entre les zones rurales et les zones urbaines ou périurbaines. Ça n'a pas empêché le Sénégal de se doter d'une université qui aujourd'hui gère 70 000 étudiants et leur permet de travailler ensemble et de progresser. Donc, voilà, il y a des priorités, il y a des choix à faire et il y a des domaines où on peut faire des bons quantitatifs et qualitatifs très, très importants et en même temps être au courant des faiblesses que vous avez eu raison de mentionner est un moyen d'améliorer l'offre, si vous voulez, quand on veut aller vers... C'est important d'avoir un bon diagnostic de la situation et être réaliste et ne pas rêver, pour ne pas rester dans la rhétorique. Mais on peut le faire. Et ça, j'en suis persuadée. Je veux dire, moi, je viens d'un institut dans mon pays, je ne dirais pas lequel. Je viens d'un institut qui a introduit à la fin des années 80, Internet dans le pays. C'était le premier pays africain, le premier pays arabe à avoir introduit Internet. Et c'est un pays qui l'a fait, pour ceux qui connaissent, sur une liaison X25 avec des ordinateurs qui n'ont absolument rien à voir avec ce que nous avons aujourd'hui, etc. Et nous l'avions fait, cet institut l'a fait avec ses propres moyens. C'était un institut de recherche. Et donc, voilà, si on veut, on peut. Et donc, il faut arriver à déterminer les priorités et voir en ce que nous avons dit des opportunités pour aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc, je voyais qu'il y avait une demande de... Oui, vous vouliez réagir? Des étudiants qui ne mangent pas à leur faim. Vous comprenez? Il y a des écoles où il n'y a pas même de l'eau potable. Il n'y a pas d'électricité. Donc, mais c'est pas un phénomène généralisé. Mais prenons le cas de la Tunisie. Je n'ai pas honte de parler de mon pays. Il y a des zones favorisées où il y a accès à Internet et tout. Il y a des zones moins favorisées où l'accès à l'eau potable dans les écoles, à l'électricité, parfois ça devient un luxe. Donc, investir dans le numérique sans essayer de réduire les écarts au sein de la même gouvernorat parfois, c'est ça le problème, madame, vous comprenez?
On a des... On vous comprend très bien. On ne va pas faire un dialogue puisqu'il m'a demandé de clôturer, mais je voulais juste réagir à ce que vous avez dit. Ça peut devenir, juste sur ce que vous venez de dire, un problème de la poule et de l'œuf. Si nous avons des écoles dans l'État dans lequel que vous décrivez, peut-être parce que les décideurs n'ont pas fait les bons choix. Peut-être que les décideurs n'ont pas fait les bons choix parce qu'ils ne voulaient pas faire les bons choix. C'est plus simple de gérer une population analphabète qu'une population super lettrée qui peut défier ses décideurs parce qu'elle a les connaissances, parce qu'elle connaît les règlements, etc. Ça peut être ça. Ça peut être que nos décideurs, nous n'avons pas un groupe suffisant de décideurs qui peuvent comprendre où sont les défis et faire avancer leur population dans ce sens-là. C'est pour ça que je dis c'est une poule et l'œuf. Donc, investissons dans une éducation de base et une éducation de base qui se tient et voyons quels résultats ça peut donner. Je parlais tout à l'heure de l'initiative de la CEA. Un certain nombre de bailleurs de fonds, dont notamment des bailleurs de fonds de pays développés, ont dit, étant donné la situation de l'Afrique en termes d'infrastructures, d'accès à l'énergie, d'alphabétisation, etc., n'investissons pas sur les technologies qui existent, allons au low cost. Donc, donnons à l'Afrique des solutions à coût réduit et donc à capacité réduite. Et en tant que CEA, je me suis opposée à cette démarche. Si on veut avancer, d'abord, on ne va pas se retrouver la poubelle des technologies qui seront devenues obsolètes ailleurs. Et il n'y a aucune raison pour qu'on n'embrasse pas les opportunités qui s'offrent à nous, même si les choix sont difficiles. Et encore une fois, regardez dans la littérature comment est documentée l'expérience rwandaise en termes de technologie de l'information. Aujourd'hui, dans la plupart des institutions, le Rwanda est une bonne pratique. Aujourd'hui, vous pouvez appliquer pour un visa en ligne. Vous voulez créer une entreprise et investir au Rwanda. Vous avez deux, trois étapes, alors que dans les autres pays, vous faites face à toute la lourdeur bureaucratique, etc., etc. Et encore une fois, ce choix a été fait par le Rwanda à un moment où il était au plus bas de son développement. Donc, c'est une question de choix, c'est une question d'opportunité, et c'est une question. Et l'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai qu'il y a des gens qui doivent faire des kilomètres pour arriver à une école. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des parents dans certains pays qui envoient leurs enfants à l'école, non pas pour le savoir, mais pour le verre de lait ou le sandwich qu'ils vont avoir à midi. D'accord, ça existe, mais ça ne nous empêche pas d'investir dans les technologies de l'information. Et je pense que c'est ce que vous retiendrez de ce séminaire, vous-même et tous nos collègues en ligne et tous nos participants en ligne. Encore une fois, merci à tous nos panélistes pour des très, très bonnes interventions et rendez-vous est pris pour de prochains séminaires. Et encore une fois, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous pour être avec nous dans ces réflexions parce qu'elles sont très importantes. Votre présence est très importante. Merci beaucoup.